c'est toi. C'est toi que nous acclamons, Jésus. Magnifique, glorieux, merveilleux est ton nom. C'est dans tes bras que je me réfugie. Vivre avec toi, c'est le désir de mon cœur, le seul désir de mon cœur. Seigneur Jésus, je me prosterne à tes pieds, je me repens. Divin fondeur, que ton feu me purifie. Que ton feu me purifie. Ensemble disons, c'est dans tes bras, c'est dans que je me réfugie. Vivre avec toi, Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Oh, le seul désir de mon cœur. Je me prosterne à tes pieds, Jésus, divin fondeur, que ton feu me purifie, oh, que ton feu me purifie. Disons ensemble, c'est dans tes bras, c'est dans tes bras, Seigneur, que je me réfugie. Vivre avec tous les jours, c'est le désir de mon cœur. Le seul désir de mon cœur. Devant toi, Seigneur, je me prosterne. Je me prosterne à tes pieds, je me repens. Divin fondeur, que ton feu me purifie. Seigneur, que
présent au milieu de nous. Alors adorons-le de tous nos cœurs, car Jésus est là au milieu de nous. Il répand sa grâce au milieu de nous. Il répand son esprit, oh, au milieu de nous. Il répand son amour divin au milieu de nous. Adorons le roi de gloire, car il est là au milieu de nous. Manifeste ta grâce au milieu de nous. Tu restaures les cœurs brisés, Seigneur, au milieu de nous. Nous sommes ravis, nous sommes dans la joie, car tu es au milieu de nous. Magnifique présence de Dieu, tu es au milieu de nous. Manifeste-toi, agis encore au milieu de nous. En ce lieu, Seigneur, au milieu de nous, étends ta main de grâce, Seigneur, au milieu de nous, manifeste ton amour, au milieu de nous, manifeste ta compassion, Père. Magnifique présence de Dieu au milieu de nous. Oh, 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 au milieu de nous. Pourquoi ne pas prendre quelques instants pour l'adorer là où tu es? Là où tu es, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, ne regarde même pas les chantres. Ne regarde même pas l'estrade, ferme les yeux physiques et ouvre les yeux de l'esprit afin de contempler le roi de gloire. Il est là présent au milieu de nous ce matin, il est là. Tu n'es pas venu en vain, mon frère, ma soeur, tu n'es pas venu en vain. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu, à la rencontre du grand roi de gloire. Il est digne, il est digne, il est présent, il est digne de ton adoration. Il est digne de ton adoration, il est digne de ta dévotion, il est là, il est digne, adore-le. Ne te laisse pas distraire par un voisin, non, non, je te dis, adore, adore-le, adore, ensemble adorons. C'est dans cette attitude d'adoration que le Saint-Esprit agit. Il parle à nos cœurs et il nous guérit. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint.
petit vocabulaire pour te dire qu'est Dieu merveilleux tu es. Ah, je ne pourrais pas, non, te dire combien je alors entends de tous nos cœurs disons alors ensemble alors entends mon cœur, mon cœur, mon esprit qui te loue, le chant d'amour entends le chant je ne pourrais non, te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Encore une fois, je ne pourrais pas, Seigneur. Je ne pourrais pas. Non. Alors entends mon cœur. Arimo sata baba. Ricata yanda bobo shebe. Ricata yanda mos. Abarianda mosene. Ekarianda mos. Ah. Eremos. Ah. Présence de Dieu. Arimo sata. Kata Yamas, Enerien, magnifique. Dieu d'amour, Dieu de bonté, de compassion, tu es là. Manifeste-toi. Oh, nos cœurs ont soif de toi. Tu as un peuple qui t'aime, qui t'adore en ce lieu. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé partout les peuples. Assemblée pour la
mes yeux. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur. Je le vois. Oui, je le vois. Tous ensemble, disons. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés. Présence seule qui fait toute la différence. Non pas la présence d'un homme, non pas la présence d'une femme, mais ta présence. Merci Seigneur. Reçois nos acclamations, elles sont vives, elles sont sincères, elles sont pour toi, roi de gloire. Merci Père.
nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, adoré, célébré et acclamé. Merci. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Comme tu as maintenant compris comment on dit gloire à Dieu, maintenant dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Ah, bien aimé, il n'y a pas de meilleure manière de commencer sa semaine que de la commencer dans une réunion de famille spirituelle. Alléluia, tu peux chercher toutes sortes de programmes. Non, 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 il n'y a pas de meilleure chose à faire que de se rassembler le dimanche pour commencer sa semaine. C'est une réunion de famille spirituelle. De la même manière que dans les familles naturelles, les enfants se réunissent de manière régulière. Ils se réunissent pour passer des moments conviviaux, des moments de famille, des moments où parfois aussi on parle des différentes difficultés, on règle des problèmes, on donne des clés, on donne des solutions. De la même manière que c'est vrai pour une famille naturelle, c'est également vrai pour une famille spirituelle. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit et au bon moment. Et tu es la bonne personne. Alléluia. Pouvons-nous encore acclamer le Seigneur? Il est digne. Et d'ailleurs, la Bible ne se contente pas de dire qu'il est digne. La Bible dit qu'il est très digne de louange. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors bien aimé, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour le privilège. Je prends ça comme un honneur et un privilège que de vous entretenir de la part de Dieu, de sa parole, ce matin. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait au travers de vous, au milieu de vous. J'étais là il y a à peu près 3 ans. C'était en novembre 2012 et c'était le début en tout cas. Dans cette salle, vous aviez juste quelques mois, je crois. Et à l'époque, il y avait juste un culte. Et aujourd'hui, il y a 3 cultes. Dans le premier, commence à 6h. Ouh là là. Eh bien, en tout cas, vous avez les horaires les plus matinaux de tous les campus ICC. Hein. Alléluia. Et c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, vraiment, je bénis le Seigneur pour la dynamique qu'il a amorcé au milieu de vous. Et je sais que quand Dieu travaille toujours avec des personnes, il travaille toujours avec des hommes, avec un homme, avec une femme, avec des personnes. Et pouvons-nous vraiment acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Yves Castanou, son épouse, pasteur Abby, et puis également tous les frères et sœurs, les pasteurs, les assistants pasteurs, les ministres qui servent à leur côté. Amen. Amen. Et ça fait vraiment plaisir d'être là à Brazzaville, d'être là dans ma ville natale, où je suis toujours heureux de revenir. Amen. Mais bon, moi, on m'a bloqué à Bruxelles. Mais sinon, j'aurais bien voulu être là plus souvent. Mais bon. Alléluia. En tout cas, vraiment, je suis ravi d'être là. Je ne suis même pas ravi, même plus que ravi. Je suis heureux d'être au pays. Amen. Voilà. C'est un bon pays. C'est le pays où Dieu règne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, avant de rentrer dans mon message, je voudrais... Oh, il est déjà midi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Voilà, je ne sais pas comment faire. Hein. En tout cas, avant de commencer, je voulais simplement vous transmettre, parce qu'il ne faut pas que j'oublie, je veux vraiment vous transmettre les sincères et vives salutations de toute l'Assemblée Impact Centre Chrétien à Bruxelles. Voilà. Ah, je pensais que quelqu'un serait ravi. Voilà. De toute l'Assemblée ICC à Liège en Belgique également, ICC du Grand-Duché du Luxembourg. Voilà, ce sont actuellement les campus que nous avons au Benelux et dont j'ai la charge. Et ce matin, bien aimé, j'aimerais partager avec vous un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je pense que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Que quelqu'un les amène. Le titre de mon message ce matin, c'est 8 choses. Que quelqu'un dise avec moi 8 choses.
8 choses à savoir pour débloquer ou encore pour libérer tes provisions célestes. Dis-moi amen. Dis 8 choses à savoir pour débloquer ou encore pour libérer tes provisions célestes. Dis à ton voisin, tu as des provisions célestes. Dis à ton voisin, tu as un héritage. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu es héritier. Tu es héritier. Tu es héritier avec Christ. Et en fait, c'est même plus précis que ça. La Bible précise, en fait, tu n'es pas simplement héritier. La Bible dit, tu es co-héritier. Et ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre héritier et co-héritier. Vous pouvez avoir deux héritiers et deux co-héritiers. Les deux héritiers, quand ils ne sont pas co-héritiers, vous pouvez avoir un qui reçoit 90% de l'héritage et l'autre 10% de l'héritage. Ça arrive, n'est-ce pas? Mais quand on dit co-héritier, quand on dit nous sommes co-héritiers avec Christ, ça veut dire que la même part d'héritage que Christ a, c'est ça aussi que j'ai. La même part que Christ a, c'est ça aussi que tu as. Dis à ton voisin, tu as des provisions célestes. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible nous dit clairement ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dis à ton voisin, waouh. Dis-lui, je ne savais pas que tu étais aussi riche, toi. Riche d'autant de bénédictions célestes. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as un stock énorme de bénédictions. Dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Dieu les a préparés pour que nous en profitions dès maintenant, ici-bas sur la terre. Tu n'es pas obligé d'attendre d'aller au ciel pour en profiter. Dès maintenant, ici-bas, tu peux en profiter. Alléluia. Tu peux faire partie. Comprenons que tu peux faire partie, mon frère, ma soeur, tu peux faire partie d'un royaume ou être citoyen d'un pays prospère sans pour autant que toi, tu ne sois prospère. Que quelqu'un dise aïe. Et pourtant, c'est possible. Vous pouvez être citoyen d'un pays qui est prospère, d'une nation qui est prospère, mais pour autant, vous ne l'êtes pas. C'est une anomalie, ce n'est pas normal. Et ce qui est grave, c'est que ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent que des citoyens d'un pays prospère ne prospèrent pas eux-mêmes. Et cela est également vrai pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup d'enfants de Dieu, pour beaucoup de chrétiens nés de nouveau qui aiment Dieu. Ils aiment Dieu, c'est vrai, Dieu les aime aussi. Mais le problème, c'est qu'ils ne prospèrent pas à la dimension où Dieu les attend. Ils ne jouissent pas pleinement de tout l'héritage que Jésus-Christ nous a acquis à la croix du calvaire. Et c'est un drame. Et il y a trois raisons, j'ai identifié trois raisons principales à cela. La première raison, la première cause qui fait que quelqu'un qui est pourtant citoyen d'un pays prospère ne prospère pas lui-même, la première cause que j'ai identifiée, c'est l'immaturité. Dis avec moi l'immaturité. Mon frère, ma soeur, tant que tu es immature, il y a des choses qui t'appartiennent, qui sont supposées t'appartenir, mais qu'on ne pourra pas te remettre, qu'on ne pourra pas te donner, tout simplement parce que tu n'es pas suffisamment mature. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous a écrit dans Galates chapitre 4, verset 1, il nous a dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Que quelqu'un dise, c'est dommage. C'est dommage. Parce que la Bible dit qu'il y a des personnes, ils sont héritiers, ils sont co-héritiers avec Christ, ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau, ils ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau, ils n'iront pas en enfer, au contraire, ils iront au ciel, et ils vivront l'éternité avec le Seigneur. Mais sur la terre, ils ne possèdent pas leur héritage. Pourquoi? À cause de l'immaturité. Dieu ne leur donnera pas, Dieu ne leur transmettra pas leur héritage, non pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce qu'eux-mêmes, ils sont immatures. Il y a des choses que tu ne reçois pas, que tu es normalement en droit de recevoir et supposé recevoir, puisque ce sont des choses que Christ a acquises à la croix pour toi, mais que tu ne reçois pas à cause de l'immaturité. Non pas parce que Dieu ne t'aime pas. Il y a des choses, tu peux aimer quelqu'un, mais pour autant tu ne lui donnes pas certaines choses.
Si tu as des enfants, tu as des enfants, tu aimes tes enfants. Oh, bah, tu me ramènes quand même. Amen. Ah ouf, j'ai peur, j'ai cru que tu n'aimais pas tes enfants. Si tu as des enfants, tu aimes tes enfants. Mais qui ici, au milieu de nous, qui a commis, qui a fait une fois, qui une fois, a donné, a osé donner. Si tu as fait ça, vraiment, on va t'imposer les mains à la fin du culte. Tu as osé donner à ton enfant de un an et demi, qui a osé lui donner un billet de 10 000? Qui a déjà fait ça? Lève la main. On va prier pour toi. Personne. Personne. Parce que qui est fou? Tu n'as pas donné un billet de 10 000 à un enfant de un an? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va prendre, il va déchirer, il va mettre dans la bouche, il va faire un avion avec, il va mettre à la poubelle, il va mettre dans les toilettes. Oui ou non? Mais pourtant, la vérité, c'est quoi? C'est que ce billet de 10 000, c'est sa possession aussi. Puisque si vous êtes son père ou sa mère, ce billet de 10 000, indirectement, il lui appartient aussi. Oui ou non? Mais pourtant, est-ce que vous lui donnez? Non. Vous ne lui donnez pas parce que vous ne l'aimez pas? Non, vous l'aimez. Vous l'aimez, mais vous ne pouvez pas lui donner ça. Pourquoi? Parce qu'il est immature. Et c'est la même chose avec Dieu. Il y a des choses, Dieu ne te les donne pas parce qu'il ne t'aime pas. Non, Dieu t'aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a des choses. L'apôtre Paul nous explique dans Galates chapitre 4, verset 1, qu'il y a des choses que tu n'obtiens pas à cause de ton immaturité. Non pas à cause du fait que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas te donner. Dis à ton voisin, aïe, aïe, aïe. La deuxième chose, c'est la désobéissance. Que quelqu'un dise avec moi la désobéissance. Ah, la désobéissance, ça c'est grave. Hein? La désobéissance, elle peut te faire perdre la jouissance de quelque chose auquel tu avais pourtant droit. Adam, par exemple, a perdu les bénéfices du royaume de Dieu dès lors qu'il a désobéi à Dieu en Éden. Dieu lui avait donné le royaume. Il était en Éden. Mais à cause de sa désobéissance, il a perdu le bénéfice du royaume. Autre exemple, un malfaiteur, un malfrat, un braqueur va perdre sa liberté, la liberté qu'il a en tant que citoyen. Il va perdre sa liberté s'il fait un braquage. Il fait un braquage, on l'arrête, on le met en prison pendant quelques mois ou pendant quelques années. Pendant ce laps de temps-là, il va perdre sa liberté. Pourtant, en tant que citoyen, il avait droit à la liberté. Mais la désobéissance l'a privé d'un droit ou d'un héritage, d'une part d'héritage auquel il avait droit. Quelqu'un me suit, non? Alléluia. Et la troisième chose, et c'est la pire de toutes, la troisième chose qui fait qu'un citoyen qui appartient à une nation, à un pays prospère, un citoyen ne prospère pas lui-même, la troisième chose la plus terrible, c'est l'ignorance. Dis avec moi l'ignorance. L'ignorance est de loin le numéro un. L'ignorance. Dieu dit dans sa parole, dans Osée au chapitre 4, verset 6, Dieu dit, Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple est détruit parce que le diable l'attaque. Excusez-moi, c'est pas ça, c'est vrai. Mon peuple est détruit parce que les démons l'attaquent. Mon peuple est détruit à cause des démons. Mon peuple est détruit à cause des sorciers. Mon peuple est détruit à cause des terreurs de la nuit. Non, c'est pas ça. La Bible est claire, Dieu est clair. Il dit, mon peuple est détruit parce que lui manque là. La connaissance. Si te manque la connaissance, c'est l'ignorance. Le contraire de connaissance, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, c'est le mot ténèbres. Plus loin, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, la Bible nous explique que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Que quelqu'un dise amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que quelqu'un dise et. Parce que ça ne s'arrête pas juste à ce que les hommes soient sauvés. Le sang de Jésus n'a pas... En fait, le sang de Jésus a coulé pour que nous puissions être sauvés. Amen. Amen. Mais en fait, le salut, là, le fait que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, c'est pas la fin, c'est pas l'aboutissement. C'est pas la finalité du plan de Dieu pour toi. En fait, c'est le commencement. C'est triste de voir que beaucoup de chrétiens se contentent juste d'être sauvés. Je suis sauvé, j'irai pas en enfer, gloire à Dieu, c'est bon pour moi. Non! La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, première étape, et deuxième étape, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité.
Parce que si tu ne parviens pas à la connaissance de la vérité, tu vas rester dans l'ignorance. Et si tu restes dans l'ignorance, bien que Dieu t'aime, bien que tu sois enfant de Dieu, tu ne pourras pas jouir, tu ne pourras pas profiter de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Quelqu'un me suit? Alléluia. Dieu nous aime, frère. Et il s'intéresse à chaque aspect de nos vies. Dieu est un père qui est directement concerné par chaque domaine de la vie de chacun de ses enfants. Dieu veut nous rendre prospères à tous égards. Il veut nous rendre prospères à tous égards. Dieu veut que nous soyons bénis et que nous ne manquions de rien. Et si nous avons des difficultés, si nous avons des difficultés d'ordre financier, si nous avons des difficultés d'ordre matériel, je ne parle pas de difficultés ponctuelles, parce que tout le monde dans sa vie, à un moment donné, passe par des difficultés financières, par un moment un peu difficile. Oui ou non? Qui est déjà passé par ce genre de moment? Voilà, la plupart. En tout cas, si tu n'as pas levé la main, mon frère, ma soeur, vis encore. Tu vas voir. Vis encore. Vis encore. Ne t'appuie pas sur tes millions, sur tes milliards. Mon ami, vis encore seulement. Vis encore. Madoff aussi s'appuie sur ses milliards en quelques semaines, quelques jours. Ah oui? Mon ami, vis encore. Si nous avons des difficultés d'ordre financier, je ne parle pas de difficultés passagères qu'on peut avoir dans la vie, mais je parle de difficultés chroniques. Je parle d'une vie de difficultés, de moins cassées. Tu n'as pas suffisamment. C'est une vie de précarité, une vie compliquée. Si tu es dans ce cas, ça veut dire qu'il y a un problème. Dis-moi amen. Quelqu'un va me dire, moi je ne suis pas dans ce cas-là. Mais toi aussi tu as un problème. Parce que la vérité, c'est que même si tu es bien, même si tu estimes que tu es bien, que tu es à l'aise, que tu es bien, la vérité c'est que si tu ne progresses pas dans tous les domaines, et notamment dans le domaine financier, si tu ne progresses pas, s'il n'y a pas une progression, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que la Bible nous dit qu'avec le Seigneur, avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Alors, donc si tu ne progresses pas, ça veut dire qu'il y a un problème. La stagnation est un problème, dis-moi amen. Alléluia. Ah oui? Tes finances, c'est les mêmes depuis 10 ans. Il y a un problème. Oui, mais c'est quand même 1 milliard par an. Il y a un problème quand même. Parce que tu dois progresser. La marque de Dieu, c'est la croissance. La marque de Dieu, c'est la progression. Quel que soit le point, quel que soit ton point de départ, tu dois progresser. Et si tu ne progresses pas, tu dois admettre qu'il y a un problème. Tu dois admettre qu'il y a une anomalie. Dis-moi amen. Car normalement, si le roi est riche, prospère, les enfants du roi le sont aussi. Oui ou non? Dis-moi amen si tu crois. Amen. Alléluia. Et si les enfants du roi ne sont pas prospères, riches, s'ils vivent dans le manque, et ce malgré le fait que le roi leur a tout donné, parce que Jésus a dit, tout est accompli. Si les enfants du roi ne sont pas prospères, alors cela signifie qu'il y a quelque chose que les enfants n'ont pas compris ou quelque chose qu'ils auraient dû appliquer, qu'ils n'ont pas appliqué. Dis-moi amen si c'est vrai. Amen. Alléluia. Dieu veut notre bien et il désire nous délivrer de la stagnation financière et de toute forme d'étranglement financier, de blocage financier. Il y a beaucoup au milieu de nous, nous vivons dans un étranglement financier récurrent. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça ton héritage. Ce n'est pas ça ton héritage. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu sois étranglé financièrement toute ta vie, pour que tes enfants soient étranglés financièrement toute leur vie, pour que tes enfants démarrent leur vie là où toi tu as démarré la tienne. Non. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, on va le lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, j'aime beaucoup ce passage. C'est un passage qui est clair, sans ambiguïté. Et Dieu peut, que quelqu'un dise Dieu peut. Et Dieu peut vous combler. La Bible dit que Dieu peut nous combler. Lorsque la Bible dit que Dieu peut, ça veut dire aussi que Dieu veut. Dis-moi amen. Dieu veut. Quand la Bible dit Dieu peut nous combler, ça veut dire que Dieu veut nous combler aussi. Mais sauf que ce n'est pas le mot vouloir, ce n'est pas le verbe vouloir qui est utilisé, c'est le verbe pouvoir. Dieu veut nous combler, mais la Bible dit Dieu peut nous combler. Quand on utilise le Dieu peut, ça signifie qu'il y a des conditions. Oui ou non? Dieu peut le faire
sous certaines conditions. Mon frère, ma soeur, place-toi dans ces conditions et Dieu va le faire. Alléluia. Et Dieu peut vous combler de quelques-unes de ses grâces. Mais si, c'est ça qui est marqué, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de quelques-unes de ses grâces. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, manquant toujours, afin que possédant quelquefois, ah oui, c'est vrai, afin que possédant toujours en certaines choses. Mais est-ce qu'on a la même Bible? Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi souffrir et être frustré. De quoi satisfaire à quelques-uns de vos besoins. Mais votre Bible dit quoi? Ah, donc ça me concerne. Donc ça te concerne. Donc ça concerne ton voisin. Alléluia. Donc afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous n'ayez plus. Ah, excusez-moi. J'avais l'ancienne version que celle que le diable veut nous faire croire. Excusez-moi. Vous ayez encore un petit peu, un tout petit peu, un peu beaucoup, en abondance. Waouh! Waouh! Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour quelques petites bonnes œuvres. Non, pour toutes bonnes œuvres. Waouh! Dis à ton voisin, c'est de moi dont il parle. Dis à ton voisin, c'est de moi dont il parle. Waouh! Ça, mon frère, ma sœur, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et ce qui est formidable, bien-aimé, c'est que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité, j'ai dit. Je viens de dire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et ce que tu vis, c'est la réalité. On ne peut pas changer la vérité. On ne peut pas, personne ne peut changer la vérité. Par contre, toute réalité peut changer et se conformer à la vérité. C'est extraordinaire. Quelle que soit ta réalité d'aujourd'hui, ne te base pas sur la réalité, ce que tu vois, ce que tu ne vois pas. Base-toi sur la parole de Dieu. Base-toi sur ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit, c'est ça la vérité. Quel que soit ton point de départ, le point de départ, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. C'est pas comment tu as commencé la course. On s'en fiche de comment on a commencé la course. Dans les marathons, le marathon de New York, le marathon de Paris, les grands marathons au monde, il y a des dizaines de milliers de personnes qui courent. On ne connaît pas leur nom au départ. On ne connaît pas. Ce qui compte, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée, peu importe le départ. Peut-être qu'au départ, tu es tombé dès le départ. Il y a des gens, on a sifflé, le marathon a commencé, tout de suite les premiers mètres, tu es tombé. Les gens t'ont même piétiné. Les gens t'ont même craché dessus, ils t'ont piétiné. Ils ont dit, tu n'arriveras à rien. Ils ont continué. Mais ce n'est pas ça qui compte. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Quelle que soit ta réalité, je suis venu te dire de fermer les yeux sur cette réalité et d'ouvrir les yeux sur la vérité. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça qu'il dit et il est clair.
Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Comment tu as la vie? Tu as la vie le jour où tu reçois, tu fais la prière du salut. Sincèrement, tu reçois dans ton cœur. Tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce jour-là, même s'il n'y a pas eu des éclairs, même si tu n'es pas tombé à terre, même si tu n'as pas senti une froideur ou une chaleur de ton corps, ce jour-là, si tu as cru, tu es sauvé. Tu as été sauvé. Mais donc Jésus dit qu'il n'est pas venu uniquement là pour ça. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Ça c'est vrai, mais ça c'est la première partie. Dis à ton voisin, il y a une suite. Dis à ton voisin, il y a une suite. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans l'abondance. Et le mot abondance là est tiré du grec périssos. Et le grec périssos, ce mot périssos signifie extraordinaire. Une vie extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire extra, c'est-à-dire qui n'est pas commune. Une vie extra qui sort de l'ordinaire. Les autres vivent dans l'ordinaire, toi tu ne vis pas dans l'ordinaire. C'est pour cette vie-là que Jésus est venu. C'est pour cette vie-là que Jésus est mort à la croix. Périssos, ça signifie aussi avantage. Périssos, ça signifie excédent. Un excédent qui excède fortement une dose. Ouh. Dis à ton voisin, tu es béni. Autrement dit, frères et sœurs, Jésus nous explique que la pauvreté ne vient pas de lui. La souffrance financière et matérielle ne vient pas de Dieu. Mais elle vient du diable. La pauvreté ne prend pas origine en Dieu. Elle ne prend pas origine en Dieu. Quand on parle de périssos, quand on parle d'une vie abondante, je ne suis pas en train de juste limiter cette vie-là. Quand je parle de vie abondante, je ne suis pas en train de me limiter aux finances ou au matériel. Non, non, non. Une vie abondante, c'est également une abondance dans ta vie de couple. Tu es marié, une abondance dans ta vie de couple, c'est-à-dire un épanouissement. L'homme et la femme sont épanouis. Une abondance dans ta vie familiale. Les enfants sont épanouis, ils grandissent dans un foyer uni, béni, prospère, qui avance. Une abondance dans tes relations avec les autres. Une abondance dans ta vie professionnelle. Une abondance dans ta vie spirituelle. Tu manifestes le fruit de l'esprit. Dieu t'utilise par-ci, par-ici, par-là, dans le domaine qu'il a choisi. Une abondance dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Mais aussi dans le domaine financier. Faut pas oublier ça. Il faut prendre le paquet en entier. Dis à ton voisin, il faut tout prendre. Alléluia. Une abondance dans ton corps. D'abord la guérison. Et après, la santé divine. Hein? Est-ce qu'il y a des gens, ils veulent pas la santé divine, ils veulent seulement la guérison. Mais ça vient ensemble. Donc, guérison, après ils retombent encore malades, guérison. Ils retombent encore malades, guérison. Ils retombent encore malades, guérison. Oui, mais frère, il y a la santé divine aussi. La guérison, c'est au départ. Mais après, il y a une autre partie de l'héritage, c'est la santé divine. Quand le virus vient, hein? le virus vient, la bactérie vient, la maladie vient, elle vient dans ton corps, c'est elle qui tombe malade et puis elle repart. Ça, c'est la santé du Dieu. Alléluia! Oh! Ouh là là! Réalisons également qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, frères et sœurs, près de 60% des paraboles enseignées par Jésus ont un lien direct ou indirect avec la notion d'économie, de finance et d'argent. Que quelqu'un dise amen. De toute façon, c'est ça. Que tu dises amen ou pas, c'est comme ça. Voilà. Alors, est-ce que l'argent est le sujet phare, principal de la Bible? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Est-ce que la Bible parle de finances? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit a des choses à nous enseigner sur les finances? Oui. Parce que Jésus a dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra en mon nom, il vous rappellera les choses que je vous ai dites et il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Le Saint-Esprit n'est pas limité simplement à comment chasser les démons, comment jeûner. Non, 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 non. Toutes choses, y compris les finances. Ah, dis-moi Amen. Amen. Ah, dis-moi Amen. Amen. Huit choses. Il y a certains points, je ne peux pas développer parce que si je développe, je ne pourrais pas avancer. Donc, je tronque un peu mon introduction pour passer maintenant aux huit choses à savoir pour débloquer, pour libérer tes provisions célestes. Amen. Dans ces huit choses, il y en a quatre qui sont des choses que tu dois comprendre
et 4 qui sont des choses que tu dois pratiquer. Que quelqu'un dise amen à ça. Il y en a 8. 4, ce sont des choses que tu dois comprendre. 4 que tu dois pratiquer. Mais avant ça, j'aimerais d'abord revenir sur la notion de clé ou la notion de principe. Parce que là, je parle de 8 choses, mais en fait, c'est 8 clés ou encore 8 principes. Hein? Et ce que j'aime avec les clés, ce que j'aime avec les principes, c'est que les clés, la clé ou le principe ne regarde pas ton âge. La clé ou le principe ne regarde pas ta couleur de peau ni ta taille. La clé ou le principe ne regarde pas ton nom de famille, si c'est un nom connu ou pas. La clé ou le principe ne regarde pas si tu as fait les grandes écoles du pays ou pas. Ah non, non. La clé ou le principe fonctionne à partir du moment où tu l'appliques. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que quel que soit ton point de départ, si tu t'attaches à comprendre les principes de Dieu et à les appliquer, tu es obligé de progresser. Alléluia. C'est merveilleux. La clé ne regarde pas la main de celui qui ouvre la porte. Ça peut être la main du propriétaire de la maison, la porte va s'ouvrir. Mais ça peut aussi être la main d'un voleur qui a volé la clé, mais la porte va s'ouvrir aussi. Parce que la clé ou le principe ne regarde pas qui l'utilise. La clé ou le principe regarde simplement si on l'utilise ou pas. Si on l'utilise, ça marche. Si on ne l'utilise pas, ça ne marche pas. Alléluia. Ah, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que quel que soit ton point de départ, on peut se retrouver tous au sommet. Alléluia. Ah. Le principe est impartial. Le principe est froid. Le principe n'a pas de sentiment. La clé n'a pas de cœur. La clé n'a pas d'âme. Le principe n'est pas raciste. Le principe n'est pas sexiste. Le principe n'est pas tribaliste. Le principe n'est pas lié à un territoire. Le principe n'est pas de nationalité. Le principe n'est pas lié à une ville. Le principe marche à Brazzaville, il marche à Pointe-Noire, il marche partout. Le principe n'est pas lié à une génération. Un principe, il fonctionne pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les vieux et pour les plus vieux. Le principe fonctionne à partir du moment où tu l'utilises. Le principe n'est ni bon ni mauvais. Il est juste vrai et incontournable. Amen. Alléluia. Donc, voyons ensemble la première chose. Première chose, j'ai parlé de 8 choses, n'est-ce pas? Première chose, d'abord les 4 premières choses sont des choses que tu dois comprendre et les 4 suivantes sont des choses que tu dois pratiquer. Voilà. Ah, ça fait plaisir de savoir que vous me suivez. Parce que si vous ne me suivez pas là, c'est compliqué, on va arrêter plus vite. Hein? Première chose donc, comprends que l'argent est neutre. Dis-moi amen. L'argent est neutre, ça veut dire que l'argent n'est ni bon ni mauvais. Dis-moi amen. Nous sommes en train de voir 8 choses qui vont te permettre de débloquer, de libérer sur ta vie tes provisions célestes. Parce que tu as des provisions célestes. Dieu ne t'a pas livré comme ça sur la terre sans rien. Non, non, non. Tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, Dieu a des provisions pour toi. Mais comment tu fais pour les déployer dans ta vie? C'est ce que nous sommes en train de voir. Comprends d'abord que l'argent est neutre. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Dis-moi amen. Parce que, je dis ça parce qu'il y a des gens qui disent que l'argent c'est mauvais. Ah, l'argent, il est mauvais. Si tu as l'argent, tu vas devenir méchant. Tu vas devenir comme ça, mon ami. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il y en a d'autres qui disent que l'argent c'est bon, c'est bon. Non, 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 non. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est le cœur de l'homme qui est bon ou mauvais. Si l'argent se retrouve entre les mains d'un cœur mauvais, l'argent va devenir mauvais. Ah oui, l'argent dans un cœur mauvais, c'est l'argent qui va être utilisé pour faire le mal. L'argent qui va être utilisé pour aller payer des féticheurs, des sorciers et tout ça là. Mais quand l'argent se retrouve entre les mains d'un cœur qui est bon, l'argent va s'exprimer pour faire le bien. Pour faire le bien, pour aider, pour relever, pour rebâtir, pour construire, pour compléter, pour édifier, pour équiper. Donc, comprenons que l'argent n'est ni bon ni mauvais. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. Deuxième chose, dis à ton voisin, on avance. Deuxième chose, tu dois comprendre que les problèmes d'argent ne se règlent pas avec de l'argent. Subitement, il n'y a même plus de amen. Oh, quand même. Tout à l'heure, vous disiez amen, amen. Maintenant, je dis les problèmes d'argent ne se règlent pas avec de l'argent. Maintenant, il n'y a plus de amen. Je ne suis pas venu pour vous mentir. Je n'ai pas quitté Bruxelles pour venir jusqu'à Brazzaville pour vous mentir. Je suis venu pour vous dire la vérité. Les problèmes d'argent ne se règlent pas avec de l'argent.
Et ça, il y a quelqu'un dans la salle. Tu dis pas amen parce que c'est ce que tu crois. Toi, tu crois que les problèmes d'argent se règlent avec de l'argent. Et c'est pour ça que tu n'avances pas. La plupart des personnes dans ce pays, dans cette ville et dans toute la, sur toute la surface de la terre pensent que les problèmes d'argent se règlent avec de l'argent. Mais c'est faux. Je vais poser trois questions. Trois questions pour te démontrer cela. Première question. Qui ici dans cette salle a déjà eu au moins une fois dans sa vie un problème d'argent? Lève la main, que l'esprit de mensonge soit chassé au nom puissant de Jésus. Voilà, donc je vois que quasiment toutes les mains sont levées. Ok, maintenant deuxième question. Qui parmi vous a réglé son problème d'argent avec de l'argent que quelqu'un lui a prêté ou quelqu'un lui a donné? Qui a reçu de l'argent pour régler ses problèmes d'argent? Que l'esprit de mensonge soit chassé au nom de Jésus. Lève ta main bien haut. Voilà, tu as vu des problèmes d'argent et puis quelqu'un à un moment donné t'a donné, t'a aidé pour t'en sortir, oui ou non? C'est ça, n'est-ce pas? Ok, troisième question. Qui, une fois, après avoir eu un problème d'argent, après qu'on lui ait donné de l'argent pour régler son problème, qui a encore eu un autre problème d'argent? Lève la main. Je vois que toutes les mains sont levées. Donc, dis à ton voisin, c'est la démonstration que les problèmes d'argent ne se règlent pas avec de l'argent. Alléluia! Parce que vous avez levé les mains à chaque fois. Vous avez eu un problème. On vous a donné de l'argent, mais après vous avez encore eu un problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les problèmes d'argent ne se règlent pas avec de l'argent. Alors il faut arrêter de penser ça. Il y a des gens, ils pensent que non, j'ai un problème. Il faut que mon oncle, il veut me donner l'argent. Mon oncle, il est maintenant DG, il va me donner l'argent. Mon oncle, il est maintenant ministre, il va me donner l'argent. Mais arrête ça! Alléluia! Oh Seigneur, aide-nous. Marc chapitre 6, versets 37 à 39. C'est lorsque Jésus fait le miracle de la multiplication des pains. Le contexte est le suivant. Vous avez Jésus qui est en train de prêcher à une foule immense. La Bible parle de 5000 hommes. Mais c'est sans compter les femmes et les enfants. Donc ça veut dire qu'on peut estimer qu'il devait être au moins 15 000. On peut estimer, non, ce n'est pas une estimation farfelue, n'est-ce pas? Et donc, à un moment donné, Jésus prêche. Il prêche pendant des heures et des heures. Il prêche toute la journée. À telle enseigne que l'heure avance, mais les gens n'ont toujours pas mangé. Et donc les disciples viennent voir le Seigneur, ils viennent dire à Jésus, là Seigneur, il faut arrêter le séminaire. C'est un puissant séminaire, c'est vrai, mais il faut arrêter le séminaire parce que les gens ont faim, mais on n'a pas suffisamment de nourriture à leur donner. Ils sont 5000 hommes, donc peut-être 15 000 personnes. Donc ils disent à Jésus, ils donnent un conseil à Dieu le Fils. Ils disent à Jésus, Jésus, il faut les renvoyer, hein. Il faut les renvoyer. Regardez. Jésus, verset 37. Marc, chapitre 6, verset 37 à 39. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. On dirait que... On dirait qu'ils ont eu la même réaction que toi. Hein? Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent... Vous voyez, la Bible dit, mais ils lui dirent. Le mais annule tout ce qui était avant. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, c'est-à-dire qu'ils ont contesté. Oui ou non? Ils ont contesté. Jésus parle et ils disent, ah non, tu sais, Rabbi, Rabboni, tu es notre, vraiment, nous on te suit. Mais là, il y a une réalité. Ah non, c'est ça qu'ils ont dit, hein. C'est ça qu'ils ont dit, hein. Mais là, il y a une réalité. Tu ne connais pas bien l'économie, les finances, on dirait. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers, et leur donnerions-nous à manger? Hein, ils essaient d'avoir une démonstration que voilà, financièrement, tu vois, c'est pas possible. Mais j'aime ce que Jésus répond. Verset 38, et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Verset 39, alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe, sur l'herbe verte. Que quelqu'un les amène. Et après, nous connaissons la suite. Il y a eu la multiplication, n'est-ce pas? Et la Bible explique que tout le monde a mangé jusqu'à fatiguer. Tout le monde a bien mangé. C'est-à-dire que, vous savez, tout le monde n'a pas la même capacité de hein? Hein, de... C'est-à-dire qu'il y avait les grands mangeurs, les très grands mangeurs, tout le monde a mangé. Et il restait encore beaucoup. Jésus a fait le miracle. Mais regardez,
Jésus leur dit, devant cette situation, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que Jésus a parlé d'argent? Il a parlé d'argent? Alors pourquoi, lorsque le Seigneur, et je sais que je m'adresse à quelqu'un ici, pourquoi quand Dieu te dit de faire quelque chose, toi tu veux toujours calculer pour dire que ce n'est pas possible? Est-ce que Jésus, je sais que quelqu'un, dans cette salle, Dieu t'a montré, il y a des choses que Dieu a mises sur ton cœur. Et tu sais que ça vient de Dieu. On sait, hein, il y a des choses, on sait que ça vient de nous, et puis il y a d'autres, on sait que ça vient de Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire, demandé de commencer, tu n'as pas fait. Ça fait des mois, ça fait des années, tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que tu as fait comme les disciples étaient en train de calculer, en disant, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas encore l'argent pour faire ça. Mais est-ce que Dieu t'a parlé d'argent? Jésus a parlé d'argent là? Il dit, donnez-leur à manger vous-même. Pourquoi quand le Seigneur te demande quelque chose, tu ramènes tout à l'argent pour calculer, pour dire, ce n'est pas possible? En plus, tu ne sais même pas bien calculer. Est-ce qu'il a parlé? Il a parlé d'argent là. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous savez comment le miracle s'est produit? Le miracle s'est produit, la multiplication s'est produite, hein, sur la base de trois choses. Dis avec moi trois choses. Trois choses. La première chose, c'est la foi. C'est la foi. Il n'a pas dit rassemble. Jésus n'a pas dit rassembler. Il n'a pas dit, bon, il faut combien pour nourrir tous ces gens-là? 15 000, on calcule le repas. Le repas, voilà, 4 fois 15 000. Non. Le premier ingrédient, c'est la foi. Parce qu'il faut quand même, il faut reconnaître qu'il faut de la foi. Tu as 5 pains et 2 poissons et tu dois nourrir près de 15 000 personnes. 15 000 personnes. Déjà, toi tout seul, 5 pains et 2 poissons, ils ne résistent pas devant toi. Alors imagine, 15 000. Quelqu'un me suit, non? 15 000. Le miracle a eu lieu, pourquoi? Parce qu'il y avait la foi. Et avec la foi, la deuxième chose, c'est qu'il y avait de l'ordre. Et c'est ça qui manque à beaucoup. Il y avait de l'ordre. La Bible dit au verset 39, « Alors Jésus leur commanda de les faire tous asseoir. » Il n'y a pas de multiplication de croissance dans le désordre. Il y avait l'ordre. Et la troisième chose, il y avait quand même, il y avait quand même une semence. Dieu ne te demande pas de tout avoir pour commencer. Mais il y a quand même, il y a toujours quelque chose que tu as. Et c'est avec ça, cette semence-là, c'est avec cette semence que tu commences. Tu prends cette semence, elle vient se joindre à ta foi et à l'ordre que tu mets, un contexte d'ordre, et c'est ça qui permet ensuite la multiplication. Alléluia. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Troisième chose. Je peux continuer, non? Parce que là, au premier culte, deuxième culte, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Je m'étais dit qu'au troisième culte, il faut que j'aille jusqu'au bout. Voilà. Parce qu'il n'y a pas encore de quatrième culte, donc on peut avancer. Hein? Alléluia. Donc, troisième chose, tu dois comprendre, suis-moi bien, troisième chose, tu dois comprendre ceci. Jésus n'était pas pauvre. Et il ne veut pas non plus que tu sois pauvre. Jésus n'était pas pauvre. Jésus n'était pas pauvre. Jésus était prospère. Je ne dis pas que Jésus était richissime, mais il était prospère. Je ne dis pas que Jésus avait des milliards dans ses poches, des milliards. Non. Mais il était prospère. Je n'ai pas expliqué tout à l'heure. La vraie richesse, la vraie prospérité, ce n'est pas ce que beaucoup de gens croient. Hein. Vous voyez quelqu'un parce qu'il a beaucoup de maisons, il a des milliards. Vous pensez qu'il est riche? Ça ne veut rien dire. Hein. Non, ça veut dire, la vraie richesse ne s'apprécie pas à combien tu as dans tes poches ou à combien tu as sur ton compte bancaire. La vraie richesse s'apprécie à ta capacité de créer de la richesse. Quelqu'un me suit, non? C'est par la sagesse. Il y a des gens, vous pensez qu'ils sont riches, ils ne sont pas riches. Ils ne sont pas riches. Ah oui. C'est pas dans ce pays, hein, dans un autre pays. Vous avez des gens, vous pensez qu'ils sont riches, ils ne sont pas riches. On l'a nommé quelque part ministre ou je ne sais quoi. Et là maintenant, ah oh, il est riche. Il n'est pas riche. Parce que combien de fois on a vu, dans ces pas ici, hein, dans d'autres pays, combien de fois on a vu, après quand il est sorti du gouvernement, 2 ans, encore 1 an ça peut aller. Au bout de 2 ans, 3 ans, tu ne sais même pas qu'il a été ministre. Quelqu'un me suit, non? Quelqu'un?
Quelqu'un a gagné. Bon, comme ce n'est pas dans ce pays, je ne sais pas comment dire. Ici, c'est congélo, non? Voilà, quelqu'un a gagné, mais bon, le congélo d'un autre pays. Hein? Il a gagné 100 millions. Les gens disent, waouh, il est devenu riche. Il a gagné 100 millions. 2 ans après, tu vas comprendre qu'il n'est pas riche. Parce qu'il n'a pas... La richesse c'est pas dans, ne s'apprécie pas, ne s'évalue pas à ce que tu as dans tes poches. C'est pas ça. Quelqu'un me suit, non? Vous voyez les gens et puis vous dites qu'ils sont riches. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Durant son pèlerinage terrestre, Jésus n'a jamais manqué de rien. Il a toujours su répondre aux divers besoins et aux diverses sollicitations auxquelles il était exposé. Et c'est ça la véritable prospérité. C'est-à-dire que quel que soit, même si tu n'as, mais si tu as dans ta poche, gloire à Dieu, même si tu n'as pas, un problème se présente et pourtant tu sais y répondre. Et Jésus n'avait pas toujours de quoi répondre aux situations qu'il était, auxquelles il faisait face. Je dis de quoi répondre avec sa trésorerie. Parce que vous savez que Jésus avait une trésorerie, n'est-ce pas? Parce qu'il avait un trésorier, donc il avait une trésorerie. D'ailleurs, son trésorier, il était un peu... Il y a des choses que Jésus faisait avec sa trésorerie. Jésus se déplaçait, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Oui ou non? Il se déplaçait. Il se déplaçait. Tant, il repart, il fait ça, il repart. Et quand il se déplaçait, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il était au moins accompagné de 12 autres personnes. À l'époque, on se déplaçait en barque, on se déplaçait à pied pour les courtes distances, et puis on se déplaçait sur dos d'âne ou de chameau ou d'animal comme ça. Oui, non? Mais vous pensez que quand Jésus arrivait, il voulait traverser un lac ou un fleuve, il voit une barque et puis il monte dans la barque et puis les disciples montent et puis ils partent. C'est comme ça que vous faites? Vous allez à Mayamaya, bon, je rentre dans l'avion et puis... Mais où est votre ticket? Ah, mais laissez-moi, moi, c'est pas comme ça. Mais Jésus payait. Jésus finançait tous ces déplacements. Et comme le disait disait une fois quelqu'un à juste titre, il disait, mais nulle part dans la Bible, on voit une des femmes des 12, hein, une femme des 12, qui est venue voir Jésus pour dire, non Seigneur, il faut dire à ton mari de revenir à la maison, à mon mari de revenir à la maison, parce que nous on n'a plus que de quoi manger, il faut qu'il revienne travailler, il faut qu'il arrête de te suivre. Vous avez vu ça? Non. Il s'occupait non seulement des 12, mais aussi de leur famille. À telle enseigne que les femmes des disciples, elles disaient, non, fais le ministère. Il n'y a pas de problème, il faut faire le ministère. Alléluia. Oh. Mais il faut dire la vérité. Il faut dire aussi qu'il y a des moments où la bourse avec laquelle Jésus finançait les choses, la bourse était vide ou en tout cas pas suffisante pour adresser le problème financier qui se présentait. Quelqu'un me suit, non? On voit ça plusieurs fois dans la Bible. Par exemple, on vient demander à Jésus de payer l'impôt. On vient dire, oh, tu dois payer l'impôt. Il a payé l'impôt avec la trésorerie de Judas? Non. Certainement, on s'est tourné, les gens des impôts sont venus, bon, il faut payer l'impôt. Certainement, on s'est tourné vers Judas. Bon, Judas, il faut payer. Bon, Judas, vous savez comment il était. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez. Oh, il n'y a pas assez. Est-ce que Jésus a paniqué? Jésus n'a pas paniqué. Jésus était connecté. Il n'était pas nécessairement richissime, mais il était prospère. Il était connecté au Seigneur. Il était connecté au Père. Il a reçu une instruction. Il donne l'instruction à Pierre. Il dit, bon, Pierre, bon, s'il n'y a plus rien dans la bourse de Judas, là, c'est pas grave. Tu vas, tu jettes le filet et tu vas prendre un poisson. Le premier poisson là, tu le prends, tu ouvres la bouche et puis dedans, il y a une pierre précieuse et puis tu payes l'impôt et puis on avance. Et pourtant, il n'avait pas l'argent. C'est ça la prospérité réelle. C'est-à-dire que même si tu n'as pas l'argent, quelle que soit la situation qui se présente, tu réponds quand même. Oh, c'est puissant. C'est puissant. Nous continuons. Quatrième chose, que quelqu'un dise avec moi, quatrième chose. Quatrième chose que tu dois comprendre. J'essaie d'accélérer. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, ma soeur. Mon frère, arrête de te plaindre. Je dis arrête de te plaindre. Je dis arrête de te plaindre.
Le problème, c'est que tu te plains trop. Tu te plains trop. Tu ne peux pas débloquer, tu ne peux pas libérer les provisions célestes dans ta vie si tu passes ton temps à te plaindre. Ce pays-là, c'est compliqué. Moi, j'aimerais aller à l'étranger parce que vraiment, ce pays-là, c'est compliqué. Hein, voilà, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et puis, voilà, hein, voilà, le gouvernement n'a pas fait ceci. Et puis, voilà, mon oncle, certainement, c'est un sorcier. C'est lui qui me bloque là, maintenant. Et puis, mes parents ne m'ont pas donné, ne m'ont pas inscrit dans les meilleures écoles. Et puis, il me dit, mais mon ami, arrête de te plaindre. Tant que tu te plains, mon ami, tu ne peux pas recevoir ta provision. Arrête de te plaindre. Arrête. Il accuse tout le monde. On accuse. On dit, c'est pour ça que c'est ce pays-là, il n'y a pas de route. Maintenant, on fait les routes, tu dis, oui, mais les routes, c'est pas bien. Mais on refait encore, mais il n'y a pas d'éclairage. On met l'éclairage, eh bien, il n'y a pas de camion. Mais là, maintenant, on va construire des camions maintenant à côté de Mayamaya. Tu vas dire quoi après? Hein? Quand il y aura les camions? Mais maintenant, il n'y a pas de chauffeur. Mais mon ami, arrête de te plaindre. Alléluia! Tu es la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Tu es la bonne personne parce que tu es chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu. Tu es citoyen du royaume. Tu es la bonne personne. Et tu es au bon moment parce que tu es dans la période, nous sommes dans la période qu'on appelle la dispensation de la grâce. Les autres, ils étaient dans l'ancienne alliance. Or, la nouvelle alliance est nettement supérieure à l'ancienne alliance. Tu es au bon moment. Dieu t'a suscité au bon moment. Et en plus de ça, tu es au bon endroit. Tu es dans le bon pays. Comme dit Pasteur Yves, tu es au Congo, le pays où Dieu règne. Alléluia. Yes. Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Tu n'as pas... Arrête de te plaindre. Tant que tu te plaindras, tu ne pourras pas libérer, débloquer les provisions sur ta vie. Proverbes chapitre 26, verset 13. La Bible parle du paresseux. Et le paresseux parle. Il fait rien, mais il parle. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Et donc, du coup, il ne sort pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il se plaint. Il y a un lion là-bas, il y a un lion ici. Donc il vaut mieux rester sans rien faire. Arrête de te plaindre. S'il te plaît, regarde ton voisin dans les yeux. Non, dis-lui, tu ne m'effraies pas. Parce que il y a des voisins, ils ne veulent pas que tu leur parles. Non, regarde le voisin, dis-lui, arrête de te plaindre. Alléluia. Proverbe. Gloire à Dieu. Proverbe. Chapitre 22. Verset 2, Proverbes chapitre 22, verset 2. La Bible dit que le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Et donc il y a des gens qui ne comprennent pas le verset et puis ils disent, voilà, mais c'est ça, c'est ce que je dis toujours. Hein? C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit dans la Bible. C'est biblique. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Donc moi, il m'a fait pauvre. Et toi, il t'a fait riche, c'est comme ça. On ne peut pas changer ça. Ils n'ont pas compris. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. C'est pas, la Bible ne dit pas, c'est l'Éternel qui a fait l'un riche et l'autre pauvre. Non. La Bible dit que l'Éternel les a fait l'un et l'autre. Et chacun a reçu des dons. Chacun a reçu des talents. Chacun a reçu des capacités, chacun a reçu des aptitudes, chacun a reçu des facilités. Il y en a un qui les a découvertes et qui les a manifestées. Il les a manifestées, il les a fait éclore. Et puis on a un autre. Et puis à un moment donné, ils se rencontrent. Et c'est ça que la Bible dit. Dieu ne fait exception de personne. Ce dont tu as besoin, tu l'as déjà. Amen. Tu l'as déjà, c'est déjà en toi. Amen. Mais pour que ça se manifeste, il faut d'abord que tu arrêtes de te plaindre. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. À un moment donné, Isaac, il y avait la crise économique dans son pays.
Isaac a voulu partir, comme tous ses amis, comme tous ses contemporains. Isaac a voulu partir en Égypte. L'Égypte, ça représente l'Eldorado, les États-Unis, l'Europe, la France. Et donc, il partait. Et quand il partait, les autres, ils disaient à Isaac, mais toi, tu pars pas. Ah non, moi, je voulais partir, mais Dieu m'a dit de rester. Ah, toi aussi. Ici, là, il n'y a pas d'avenir. Je suis sûr que ses amis lui ont démontré qu'il n'y avait pas d'avenir. Mais est-ce que tu as pensé à tes enfants? Quel avenir tu vas donner à tes enfants? En restant ici, là? Mon ami, c'est la présence de Dieu qui fait la différence. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. La Bible dit que là où il était, c'était une situation économique compliquée. Mais la Bible dit qu'Isaac a semé, et la Bible dit que Isaac, la même année, il a récolté au centuple. Quel que soit l'environnement, quel que soit le contexte politique, sociopolitique, tout ce que tu veux, c'est pas ça qui compte. Tu dois être là où Dieu t'a dit d'être et faire ce que Dieu te demande de faire. Si tu fais ça, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Alléluia. Je continue. Cinquième chose. Alors, il faut que j'arrive au bout. Ah, Seigneur, fais grâce. On peut continuer ou pas? Moi, c'est vous. Alléluia. Bon, cinquième chose. Donc là, on a vu quatre choses, c'était des choses à comprendre. Maintenant, on va voir quatre choses à pratiquer. Amen. Première chose à pratiquer, je vais essayer d'aller vite. Première chose à pratiquer, rembourse tes dettes. Je sens que le troisième culte est différent des autres. Hein. Parce que quand j'ai dit ça au premier culte, deuxième culte, quand j'ai dit rembourse tes dettes, personne n'a dit amen. J'étais là. Mais là, je dis rembourse tes dettes, j'entends des amen, amen. Oh là, je sais. Non. Dis à ton voisin, non. Oh, dis-lui, tu es la bonne personne. Rembourse tes dettes. C'est extrêmement important. Je vais te le démontrer. Tu ne peux pas libérer, débloquer les provisions célestes dans ta vie si tu ne rembourses pas tes dettes. Et je crois que c'est une des premières causes de difficultés financières sur Terre. Je suis sérieux, hein? Je vais vous démontrer ça. C'est pour ça que je commence avec ça. Rembourse tes dettes. Rembourse tes dettes. C'est même pas la peine d'aller plus loin si tu ne commences pas par ça. Rembourse tes dettes. Proverbe chapitre 22, verset 7. Proverbe chapitre 22, verset 7. La Bible dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Dis à ton voisin, aïe, aïe, aïe. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Après, quelqu'un qui va dire, esclave, faut pas exagérer, hein, quand même. L'esclavage a été aboli il y a quand même déjà plusieurs siècles. Bon, moi, j'ai emprunté, je suis pas esclave de ce que j'ai emprunté, hein. Je suis pas enfermé dans leur maison quelque part. Non, je pense que ça, ce verset, ça dépend. Hein. Ça dépend des cas. Hein. Ça, c'est. Hey, mon ami, ouvre les yeux. Ça, là, ce verset-là ne parle pas d'une réalité physique. Ce verset parle d'une vérité spirituelle. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. La Bible est claire en disant que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Laissez-moi vous dire, il y a plusieurs parmi vous ici, plusieurs. En fait, vous ne progressez pas dans vos finances et sur le plan matériel parce que vous ne remboursez pas vos dettes. Et plusieurs parmi vous, vous avez essayé plusieurs choses. Vous avez tenté de faire ça, tel projet, telle chose, mais rien ne marche. Rien ne marche, je sais, il y a plusieurs ici. Quand je dis plusieurs, en fait, c'est beaucoup. Rien ne marche. Vous multipliez les choses, rien ne marche. Et même quand ça marche pas comme vous voudriez, c'est léger, ça marche, mais c'est comme si vous n'aviez rien fait, quoi. Il y en a plusieurs, et le problème pour beaucoup d'entre vous, c'est ce verset là parce que vous n'avez pas compris qu'il y a un lien spirituel. Il y a un lien spirituel entre celui qui emprunte et celui qui prête. La Bible dit que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête, même si c'est pas vrai physiquement, spirituellement, c'est vrai. Or, le problème,
c'est que sur la surface de la terre et de tout temps, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais aucun esclave avec une condition financière meilleure que son maître. Quelqu'un commence à comprendre ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu as emprunté, tu ne rembourses pas. Si celui ou ceux à qui tu as emprunté ne s'en sortent pas, toi, tu t'en sortiras jamais. Je dis bien jamais. Tu as beau dire, je rejette, je refuse au nom de Jésus. Je rejette cette parole. Je prie au nom de Jésus. In the name of Jesus. Ça ne changera rien. Parce que tu invoques le nom de Jésus. Mais le problème, c'est que cette parole a été aussi inspirée par Dieu. Ah oui. Et Dieu ne va pas changer. Il ne va pas changer sa parole à cause de toi. Tu veux savoir ce qui se passe? Quand tu empruntes à quelqu'un, et tu ne veux pas en rembourser. Pourtant, tu peux rembourser, tu ne veux pas rembourser. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, même si elle ne te dit pas, même si elle ne te demande pas de rembourser, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils ont une certaine pudeur. Amen? C'est-à-dire que ils vous ont prêté de l'argent, mais ils ne vont pas venir tous les jours vous appeler, venir de rembourse-moi. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne vous demandent pas de rembourser qu'ils n'attendent pas un remboursement. Il y en a d'autres qui vont dire non, comme il ne m'a pas demandé. Mais comment ça, il va te demander? Vous, vous êtes déjà mis d'accord? Oui ou non? Quand il t'a prêté, ce jour-là, tu ne te rappelles pas que tu lui as dit, je te rembourserai tel jour? Tu as oublié? C'est vrai, il y a des gens, eux, ils vont te poursuivre jusqu'à chez toi. Ça, il y en a. Eux, ils vont te dire, en tout cas, tu dois rembourser. En tout cas, tu dois rembourser. Tu sors de la maison, tu le vois, tu dois rembourser. Tu arrives au bureau, il est là, tu dois rembourser. Tu allumes la télé, tu dois rembourser. Il y a des gens comme ça. Mais la plupart des gens ne sont pas comme ça. La plupart des gens, en fait, ils savent que tu sais que tu dois les rembourser. Et quand tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas peut-être te le dire. Il va peut-être même ne pas parler. Mais le problème, c'est que ses pensées, la pensée est une parole silencieuse. Il a un projet, il veut faire quelque chose, mais il ne peut pas le faire parce qu'il est limité dans les finances et il pense à l'argent qu'il t'a prêté. Et quand il pense, il y a un cri qui quitte son cœur, son âme, et qui monte directement vers le trône de Dieu. Et ce cri-là, il crie injustice. Il dit injustice, injustice. Ce qui fait que toi, quand tu es maintenant face à une situation où tu as besoin d'une provision divine, tu as besoin d'une action divine dans tes finances, et que tu commences à prier en disant, Seigneur, étends ta main afin que cette situation soit débloquée. Quand tu fais ça, le Père reçoit ta requête, il reçoit ta prière. Quand il reçoit ta requête, le Père qui est bon, il envoie un ange, il se prépare à envoyer un ange pour dire, l'ange, voilà, va débloquer la situation de ma fille, va débloquer la situation de mon fils. Et quand il fait ça, il y a maintenant une lampe qui s'allume. Bam! Et là, tout le monde se bloque. Les anges s'arrêtent. On dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, on dirait qu'il y a un problème. C'est quoi? Il y a une injustice. Ah bon? Comment ça? Ben, il a emprunté là, il ne rembourse pas. Ah! Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Un ange s'approche du Seigneur. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Dieu dit, ma parole ne change pas. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Il n'a pas remboursé, il y a une injustice, ne faites rien. Aïe, 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 aïe. Et il y a beaucoup de gens, vous êtes dans cette situation-là. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé de Bruxelles. Alléluia. Ce que tu dois faire, tu dois faire quelque chose pour sortir de ça. Voyez, il y a des cas compliqués. Il y a des cas, c'est-à-dire que c'est, quand je dis compliqué, c'est-à-dire que, c'est, j'ai envie de dire, c'est lamentable. C'est terrible. Quelqu'un t'a prêté de l'argent. Tu étais dans un besoin. La personne a eu compassion de toi. Elle t'a prêté, peut-être que cet argent en avait besoin pour inscrire ses enfants à l'école.
Peut-être pour payer des études supérieures de ses enfants à l'étranger, je ne sais pas, peut-être d'autres projets. La personne a eu compassion de toi. Elle t'a cru, elle a eu confiance en toi. Tu as dit, je te rembourserai dans les 6 mois, je te rembourse. Tu ne rembourses pas. Pourtant, tu peux rembourser, tu ne rembourses même pas. Et tu viens à l'église, avec les sacs Chanel, Louis Vuitton, 2 sacs en même temps. Tu viens, des bijoux partout. Hein? Toi, mon frère, tu viens avec le dernier costume, les chaussures qui brillent. Hein? Même la lumière s'incline. Et là, tu es là, tu marches comme ça. Et puis la personne à qui tu... La personne qui t'a prêté, elle te voit rentrer maintenant dans l'église. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Le son qui monte là, ça crie plus injustice. Ça crie injustice! Tu penses que Dieu peut faire quelque chose? Ce que tu dois faire, c'est cela. Écoute-moi bien, parce que là, ça te concerne. Ce que je vais te dire là, maintenant, fais-le. Si tu le fais, je te garantis que ta situation financière va se débloquer. Je te garantis. Je parle avec assurance. Parce que c'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Or, la Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Fais ce que je vais te dire. Tu as des dettes un peu partout. Prends une feuille. Quand tu rentres à la maison, tout à l'heure, ce soir, n'attends pas demain. Parce que si tu attends demain, tu vas reporter à mardi, tu vas reporter à mercredi, tu ne le feras pas. Fais-le ce soir. Tu prends une feuille blanche et tu pries, tu demandes, Seigneur, rappelle-moi toutes les dettes que j'ai. Il y en a, Dieu a besoin de te rappeler ça, parce que tellement tu en as. Hein? Tu vas lister les noms de toutes les personnes, oulala, à qui tu dois. D'accord? Tu listes les noms de toutes les personnes à qui tu dois et tu mets le montant que tu dois à côté. Tu mets le montant et tu fais le total. Ou il y a quelqu'un qui va s'évanouir, peut-être quand il aura fini le total. Mais sois fortifié. Hein? Peu importe le total, peu importe. Fais ça. Maintenant, quand tu as fait ça, soit, si c'est des gros montants, va maintenant voir la personne. Si c'est des montants peut-être un peu moins gros, tu peux téléphoner. Mais si c'est des gros montants, essaie de voir la personne. Si tu ne peux pas, alors tu appelles. Va voir la personne. Et la chose que tu fais, tu lui demandes pardon. Tu lui demandes pardon, sincèrement. Tu lui dis, je te demande pardon, parce qu'à un moment de ma vie, j'avais des difficultés, je suis venu vers toi, tu m'as ouvert ton cœur, tu as eu compassion de moi et tu m'as prêté de l'argent. Et je t'avais promis de te rembourser, mais je n'ai pas fait. Je te demande pardon. Tu as eu confiance en moi, mais je n'ai pas été digne de ta confiance. Pardonne-moi, je te demande pardon, mais à partir d'aujourd'hui, Je veux rectifier ça. C'est-à-dire que je vais te rembourser. Si tu peux tout rembourser d'un coup, alors rembourse tout d'un coup, gloire à Dieu. Mais même si tu ne peux pas tout rembourser d'un coup, en fait, ce n'est pas grave. Parce que tu peux enrayer la malédiction qui est liée là, dans Proverbes chapitre 22, verset 7. Tu peux l'enrayer en faisant ce que j'appelle le flux financier de justice. Qu'est-ce que c'est? Tu dis simplement à la personne, voilà, je ne peux pas tout te rembourser d'un coup, mais je te promets chaque mois, je veux te donner quelque chose, chaque mois. Quand tu fais ça, tu n'es plus lié à... Il n'y a plus de malédiction sur toi. Il n'y en a plus. Même si tout n'est pas remboursé, à partir du moment où tu crées le remboursement, même si c'est un petit remboursement, chaque mois, tu annules le lien là que nous avons évoqué. Alléluia. Amen. J'ai pas le temps de vous démontrer ça. Hein, mais il faut lire dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 4. Quand tu fais ça là, ce que j'appelle ça le flux financier de justice, tu annules. C'est-à-dire que tu n'es plus esclave. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train de rembourser. Amen. Mais tant que tu n'as pas remboursé, alors que la Bible dit que ne prive pas, ne te prive pas de faire un bienfait à quelqu'un lorsque tu as le pouvoir de le faire. J'ai plus la référence en tête. C'est-à-dire que Il y a des gens, tu peux rembourser, mais toi, tu ne veux pas rembourser. Quelqu'un me suit, non? Voilà, fais ça et tu feras de grandes choses. Je pouvais donner un témoignage là-dessus, sur ce n'est pas la première fois que j'enseigne ce message. Et je vous assure,
il y a des personnes qui m'ont expliqué, ah, pasteur, j'ai fait exactement ce que vous avez dit, et vraiment, voilà ce que le Seigneur a fait. Bon, je n'ai pas le temps, mais c'est extraordinaire. Ça fonctionne, ça marche. Amen. Ah, Seigneur, comment faire? Comment faire? Je ne sais pas. Allez, on essaie d'avancer un peu. Hein? Bon, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. On va essayer de faire le sixième point. Ah, on ne fait pas le sixième point. Bon, on arrête alors. Sixième point. Je vais essayer d'aller vite. Je vais essayer d'aller vite. OK. Ah. Ah, Dieu fait grâce. Ah. Merci, Seigneur. OK. Sixième point. Sixième point. C'est une action, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit il y a quatre choses à comprendre et quatre choses à pratiquer. Sixième point. Pour libérer, débloquer des provisions célestes. Épargne pour le futur. Dis-moi amen. Épargne pour le futur. Quand je dis épargne pour le futur, ça veut dire ne mange pas tout, n'utilise pas tout ce que tu as comme revenu. Quel que soit le niveau de ton revenu. Il y en a qui ont des grands revenus, d'autres qui ont des revenus moyens, d'autres qui ont des petits revenus. Quel que soit ton revenu, prends toujours une partie que tu mets de côté pour assurer ton futur. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Proverbe chapitre 6, verset 6 à 7. Va vers la fourmi paresseux. C'est pas moi hein, qui dis paresseux. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. La Bible nous dit d'être sage, de regarder le comportement de la fourmi. La fourmi, lorsqu'elle a quelque chose qui lui vient, elle a un revenu, elle a quelque chose qui lui vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne prend pas tout, elle met de côté. Elle met de côté. Elle met une partie de côté. Il y a une partie qu'elle utilise, c'est normal, mais elle met de côté une autre partie pour préserver son futur. Que quelqu'un me dise amen. J'aime cette parole que le pasteur Yvan a dit une fois. Il dit, celui qui n'épargne pas ne sera pas épargné durant la tempête. Oui, oui. Dis à ton voisin, si tu n'épargnes pas, tu ne seras pas épargné. Je ne veux pas développer longuement. Mais comprends une chose, ce que tu reçois chaque mois, chaque semaine, ton revenu, ce que tu reçois, quelle que soit la taille, ce n'est pas une histoire de taille. Il y en a, ils sont beaucoup, il y en a d'autres un peu moins, il y en a d'autres beaucoup moins. Ce n'est pas une histoire de taille. Dans ce que tu reçois, prends toujours une partie que tu mets de côté, que tu ne touches pas. Dis-moi amen. Oh, que quelqu'un me dise amen. Tu n'as pas le droit de tout manger. Dis à ton voisin, ne mange pas tout. Ce que tu reçois, tu ne peux pas tout manger. La création que Dieu a faite nous montre que nous ne devons pas tout manger. Tu reçois un revenu, tu reçois un salaire, tu reçois quelque chose. Il y a une partie que tu prends, c'est normal pour vivre, mais il y a une autre partie que tu dois mettre de côté. Tu dois mettre de côté. Tu dois mettre de côté. Et ça, les enfants d'Israël, Dieu leur avait inculqué ça déjà. Vous savez qu'il y a deux dîmes. Qui est au courant qu'il y a deux dîmes? Il y a deux dîmes. Il y a la dîme que les enfants d'Israël devaient donner à Dieu. Ils amenaient ça aux Lévites. Et il y a une deuxième dîme. Mais c'est formidable. Une deuxième dîme, c'est 10%, 10 autres pourcents. Dieu disait, il disait aux enfants d'Israël, il dit, vous allez prendre, il y a une dîme, c'est pour moi. Il y a une autre dîme, pour moi, pour Dieu. Hein, il y a une autre dîme. En fait, vous la mettez de côté, c'est la même somme. Vous la mettez de côté et vous ne la touchez pas. Mais cette dîme-là, elle n'est pas pour moi, dit le Seigneur. Il dit, cette dîme-là, en fait, c'est pour vous. Et vous la prendrez dans 3 ans. Dans 3 ans, je vous indiquerai ce que vous devez faire. Où aller avec cette dîme-là. Et donc, les enfants d'Israël, Dieu était en train de montrer aux enfants d'Israël de leur inculquer la notion d'épargne. Et donc, ils donnaient la part à Dieu, 10%, et sur ce qu'ils avaient, ils gardaient 10% qui ne touchaient pas. C'était la loi. Ils ne touchaient pas. Mais ce n'était pas pour Dieu. La Bible dit, en fait, c'était pour eux et pour leurs enfants et pour leur famille. C'était une sorte d'épargne forcée que Dieu était en train de leur inculquer. Et jusqu'à présent, les enfants d'Israël, ils continuent à faire ça. N'importe, quel que soit le pays du monde où il y a des enfants d'Israël, ils ne sont jamais en bas. Hein.
ne faut pas jouer avec les principes de Dieu. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, ne mange pas tout. La nature nous montre qu'il ne faut pas tout manger. Oui ou non? Le fruit, quand vous prenez un fruit, dans le fruit, Dieu te dit qu'il ne faut pas tout manger. La nature te le dit. Tu prends le fruit, quand tu prends le fruit, tu prends une orange ou je ne sais pas, quand tu manges l'orange, les pépins là, tu ne vas pas les manger quand même. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils avalent les pépins. Ton voisin là, il te dit, il avale ça. Pourtant, les pépins, non. Parce que si tu prends les pépins, tu manges les pépins, mais demain, tu n'as plus rien. C'est avec le pépin que tu vas faire pousser un autre arbre. Oui ou non? Donc, tu ne dois pas tout manger. Mais ton voisin, il avale le pépin. C'est pour ça que Dieu a créé la mangue. Ah oui? Parce que c'est dit, non, celui-là, là, lui, là, il mange les pépins. On va mettre un noyau dans une mangue, un gros noyau, comme ça, il ne va pas toucher. Mais une fois, j'ai entendu, ça m'a choqué. J'ai entendu quelqu'un, il dit qu'il a ouvert le noyau de mangue, il a commencé à manger. J'ai dit, aïe, 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 aïe. Devant une telle attitude, Dieu a dit, bon, voilà. Quand ils vont manger du poulet, on va mettre des os dedans pour qu'ils comprennent qu'on ne mange pas tout. Mais ça n'a pas arrêté ton voisin. Ton voisin, quand il mange du poulet, tu ne sais même pas ce qu'il a mangé. Parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire qu'il y a une poudre. Tu ne sais pas ce qu'il a. Il croque. Dis à ton voisin, on ne mange pas tout. Ce que tu gagnes là, il y a une partie, tu dois l'utiliser. Pour toi, c'est normal. Mais une autre partie, on ne touche pas. On ne touche pas. C'est un principe. Si tu es fidèle à ce principe, Dieu va voir ta fidélité et tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Quelqu'un me suit? Il broie les os. On ne sait même pas ce qu'il a mangé. C'est pour ça que Dieu a dit, bon, pour ce cas-là, ce genre de cas-là, on va faire des poissons. Et dans les poissons, on va mettre une arête. Tu sais pourquoi? Pour te dire, arrête. Arrête. On ne mange pas tout. Arrête, arrête là, arrête là. Si tu manges l'arête, qui va souffrir? Non, soyons sérieux. Si tu manges l'arête là, qui va souffrir? C'est toi, non? L'arête va te faire saigner tes gencives, non? C'est pour ça, s'il te plaît, dis à ton voisin, on ne mange pas tout. Il y a une partie de ce que tu gagnes, tu ne touches pas. Ah, mais j'en ai besoin. Préserve ton futur, ne touche pas. Amen. Je continue. Septième chose à faire. J'ai pris que plus tard, mais je pense que Dieu fera grâce. Parce que là, je vais trop vite en fait. Il y a tellement de détails que je passe. Mais si Dieu fait grâce, si Dieu fait grâce, si Dieu fait grâce, si Dieu permet, peut-être je reviendrai. Mais on fera quelque chose de... On va voir. Je pense que Dieu peut faire grâce. On va voir. Quelque chose de plus long. Parce que là, on va trop vite. Hein? À voir. Septième chose. C'est une action. Fais une alliance avec Dieu. Fais une alliance avec Dieu par ta dîme. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Fais une alliance avec Dieu par ta dîme et préserve cette alliance. Ah, Seigneur. La plupart des chrétiens ne réalisent pas ce qu'est la dîme. Quand on pose la question à quelqu'un, un chrétien, c'est quoi la dîme? Il va dire c'est 10% de mon salaire. Mais c'est pas faux, mais c'est pas complet du tout. C'est 10% de mon salaire. Mais c'est pour ça que tu ne donnes pas ta dîme, parce que tu n'as pas compris ce que c'est. C'est pas limité à ça. C'est pas limité à ça. La dîme est un principe ou encore un précepte de Dieu. Que quelqu'un les amène à ça. C'est un précepte. La dîme est universelle et intemporelle. La dîme n'est pas venue avec la loi de Moïse. Il y a des gens qui disent, non, c'est la loi de Moïse qui a amené la dîme, donc on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, donc on ne donne plus la dîme. Mais c'est un mensonge. La dîme existait avant la loi de Moïse. La Bible dit qu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek. La dîme a ses racines avant la loi de Moïse. Maintenant, quand la loi de Moïse est venue, mettre un caractère, pas restrictif, mais un caractère... légal, obligatoire, voilà. Un caractère obligatoire. Obligatoire.
Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a donné. Jacob aussi, à un moment donné, il promet à Dieu, si tu me bénis, je te donnerai la dîme. Dieu l'a béni, non? Donc, certainement, il a donné la dîme. La loi, quand la loi est venue pour obliger les enfants d'Israël non plus à donner la dîme, mais à payer la dîme. Abraham n'a pas payé la dîme. Si vous lisez bien les textes, Abraham a donné la dîme. Et ensuite, sous la loi, il payait la dîme. Il paye, les enfants d'Israël, ils payaient la dîme. Ce n'est pas le même mot. Mais nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Sous la grâce, on ne paye pas la dîme. Il ne faut pas dire « j'ai payé ma dîme », ça ne se dit pas. On dit « je donne ma dîme ». Payer, c'était avant. Nous, on n'est plus sous la loi. On donne, parce que c'est un don volontaire. Les enfants d'Israël, ils étaient obligés. Mais quand Dieu les obligeait à faire ça, c'est parce que derrière, il y avait un principe. Hein. Quand Dieu, dans toute la loi là, la loi, ce n'est pas pour détruire le peuple d'Israël, hein, c'était pour les rendre forts. Hein. Ah oui, oui. Parce que derrière chaque pan de la loi, chaque part de la loi, il y a une vérité spirituelle qui était au bénéfice des enfants d'Israël. Et Dieu leur a les obligés à suivre la loi pour les obliger à rentrer dans de nouvelles voies qui allaient les amener plus loin. Quelqu'un me suit, non? La dîme n'a pas, Jésus n'a pas aboli la dîme dans le Nouveau Testament. Au contraire, Jésus a confirmé plusieurs fois la dîme. Il faut lire la Bible. Il a confirmé plusieurs fois. Mais sauf qu'aujourd'hui, on ne paye pas, on donne. On donne sa dîme. Voyons ensemble, rapidement, cinq choses que Dieu regarde par rapport à ta dîme. Dis avec moi cinq. Bah, c'est un peu long aujourd'hui, hein? Cinq choses. Cinq choses. Et ça, ça va t'aider à bien comprendre la dîme. Cinq choses. Première chose, Dieu regarde si tu apportes ta dîme. C'est déjà la première chose. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Première chose, il y a cinq choses que Dieu regarde par rapport à ta dîme. Première chose, c'est est-ce que tu l'apportes? Est-ce que tu l'apportes ou pas? Dieu ne va pas t'obliger, on est sous la grâce. Hein. Si tu ne veux pas apporter ta dîme, Dieu reste Dieu. Hein. Amen. Quelqu'un me suit, non? Ça ne change pas la vie de Dieu. Hein. Ta dîme ne change pas la vie de Dieu. Quand Dieu te demande de faire ça, c'est pour ton bien à toi. Hein. Plus tard, si on a le temps, je vous expliquerai. Il y a des gens qui... Ah, vraiment. Bon, première chose, est-ce que tu l'apportes? Deuxième chose, est-ce que tu l'apportes entièrement? Quelqu'un les amène à ça. Est-ce que tu l'apportes entièrement? Parce que là, Dieu reproche aux enfants d'Israël dans Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3, verset 10, Dieu dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Parce que le passage commence en disant, Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit, un homme frustre-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Frustre-t-il Dieu? Parce que vous me frustrez, vous me trompez. Mais beaucoup de versions traduisent par un homme trompe-t-il Dieu? Mais en fait, le mot hébreu qui est utilisé, c'est le mot kaba. Et le mot kaba, ça signifie frustré. Quelqu'un me suit, non? En fait, Dieu est en train de dire à ses enfants, il dit, mais un homme frustre-t-il Dieu? Parce qu'en fait, vous êtes en train de me frustrer. Et eux, ils disent, mais comment t'as-vous nous frustré? Nous, on te frustre comment? Il dit, en fait, vous me frustrez par rapport à vos dîmes et vous me frustrez par rapport à vos offrandes. Et eux, ils disent, mais comment ça? Mais nous, on te donne nos offrandes et puis on te donne nos dîmes. Et là, Dieu les reprend en disant, mais regardez premièrement les offrandes que vous m'apportez. Dieu leur dit, mais regardez un peu les offrandes que vous m'apportez. Il dit, mais si je suis Dieu, où est le respect qui m'est dû? Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Vous venez, vous m'apportez, c'est vrai, vous m'apportez des offrandes. Mais regardez les offrandes que vous m'apportez. Il dit ça un peu plus loin dans le Malachie, je crois, chapitre 1 ou chapitre 2. Il dit, mais regardez les offrandes que vous m'apportez. Vous m'apportez quand vous m'apportez un bœuf, c'est un bœuf malade. Non, il faut lire. Hein. C'est un bœuf malade. C'est-à-dire que la maladie, à l'époque, de la vache folle. Vous avez entendu ça dans la maladie de la vache folle, là. C'est-à-dire que le bœuf, il bave comme ça. Voilà notre offrande pour toi, Seigneur. Et... Donc, un bœuf malade, c'est ça que vous m'apportez. Des brebis à trois pattes au lieu de quatre pattes. C'est ça que vous m'apportez. Non, mais il faut lire, hein, c'est ça. Après, il dit, mais bon, ok, si ça, c'est une offrande. Il dit, alors prenez ces offrandes-là et allez les donner à ceux qui vous dirigent.
allez le donner à ceux qui vous gouvernent. Allez-y, on va voir s'ils vont bien vous accueillir. Tu veux faire un cadeau. Si tu veux faire un cadeau à une personnalité, tu veux faire un cadeau à un ministre, au chef de l'État, tu vas aller avec quelque chose de... un poulet qui a la grippe aviaire. C'est un manque de respect. Quelqu'un me suit ou pas? Après il dit, mais vous me frustrez aussi dans les dîmes. Eux ils disent, mais comment on te frustre dans les dîmes? Nous on te donne les dîmes. Et c'est là que, on te paye les dîmes. Et c'est là que Dieu dit, mais vous, le problème c'est que vous n'apportez pas toutes les dîmes. C'est-à-dire que là où vous devez, par exemple, là vous devez donner 10%, vous donnez 5, 6. Et puis vous êtes content avec ça. Et Dieu dit, quand vous faites ça, en fait, vous n'activez pas la grâce et la faveur qui est liée à la dîme. Parce que vous n'activez pas le principe qui est derrière la dîme. Quand vous faites ça, vous ne me permettez pas de menacer celui qui dévore. Parce qu'il y a quelqu'un qui dévore. Hein? Moi, parfois, ceux qui disent, il ne faut pas donner la dîme, on est sous la grâce là. Ils me font rire. Hein? J'ai envie de leur dire, mais attends, celui qui dévore là, il s'est arrêté à l'ancienne alliance. Hein? Hein? Celui qui dévore, il s'est arrêté à l'ancienne alliance, lui. N'importe quoi. Et donc, il dit, apportez toutes les dîmes. Quand on dit toutes les dîmes, c'est-à-dire la dîme dans son intégralité. Sans quoi le principe lié à la dîme n'est pas activé dans votre vie. J'aime prendre cet exemple, je vais m'arrêter avec ça. J'aime prendre cet exemple. Vous avez une porte, ok? La porte est fermée à double tour. Et on vous a donné les clés. Les clés, c'est le principe. Vous connaissez le principe de la dîme. Maintenant, vous prenez la clé, vous mettez la clé dans la serrure. Jusque-là, ça va, non? La porte, j'ai dit, elle est fermée à double tour. Bon, maintenant, si vous mettez la clé dans la serrure et vous tournez une fois, vous devez donner... Allez, je prends un exemple. Tu touches 500 000. Normalement, ta dîme, c'est 50 000, n'est-ce pas? Hein? Donc, tu mets la clé, tu tournes une seule fois. La porte est fermée à double tour, hein? Tu donnes 25 000. Tu dis, ah, quand même, 25 000, c'est bon. Hein? Quand même, je vais donner. Oh! Seigneur, quand vous ne pas exagérer, j'ai donné. Il y en a d'autres qui ne donnent même pas. Moi, je donne. Hein? Et c'est une ruse du diable. Hein? Parce que quand la clé, la porte est fermée à double tour, toi, tu tournes une seule fois. Est-ce que la porte va s'ouvrir? Non, dis-moi, est-ce que la porte va s'ouvrir? Bon, maintenant, si tu ajoutes encore un demi-tour, est-ce que la porte va s'ouvrir? Non? Non? Tu fais un tour et demi, ça ne s'ouvre pas? Tu as déjà essayé d'ouvrir une porte fermée à double tour et tu fais un tour et demi? Ça, c'est quel type de porte, ça? Non! Il ne faut pas se mentir à soi-même. Hein? Bon, maintenant, si tu rajoutes un quart de tour, ça veut dire que tu as tourné 1, voilà, un tour, trois quarts, est-ce que ça va s'ouvrir? Non. Bon, maintenant, si tu jeûnes devant la porte en disant au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main de grâce sur mes finances, est-ce que la porte va s'ouvrir? Non. Bon, maintenant, si tu appelles deux, trois frères et sœurs pour dire de venir prier avec toi devant la porte, est-ce que la porte va s'ouvrir? Non. Bon, maintenant, si tu décrètes 3 jours de jeûne, est-ce que la porte va s'ouvrir? Non. Maintenant, si tu décrètes 40 jours de jeûne, est-ce que la porte va s'ouvrir? Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu tournes les deux tours et puis c'est tout. Amen. Quand tu tournes les deux tours, la porte s'ouvre. C'est tout. Alléluia. Je termine. Troisième chose. Première chose que Dieu regarde, c'est est-ce que tu apportes ta dîme. Deuxième chose, est-ce que tu l'apportes entièrement. Troisième chose, c'est quand est-ce que tu l'apportes. La dîme, ce sont des prémices. C'est Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. La dîme, ce n'est pas juste 10%. La dîme, c'est les premiers 10%. Dis-moi amen. C'est les premiers. En fait, quand tu donnes les prémices à Dieu, tu as reçu ton revenu, tu as reçu ton salaire, ton revenu, tes dividendes, je ne sais pas, tu as reçu, et qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais, tu consacres d'abord les 10 premiers pourcents à Dieu. Quelqu'un me suit, non? Maintenant, quand je dis ça, il faut que je rajoute toujours cette phrase-là, parce qu'il y a des gens, ils manquent de sagesse. Quand je dis ça, si tu reçois ton revenu le premier du mois, c'est un lundi, supposons que ce soit un lundi, et tu dois payer ton loyer.
ne va pas dire au propriétaire, en tout cas, moi, je suis chrétien. Je dois d'abord donner ma dîme. Donc, je te paierai ton loyer seulement la semaine prochaine parce que c'est dimanche que je vais à l'église. Mon ami, ça, c'est il va te mettre dehors. Quand on dit les prémices, ça ne veut pas dire que c'est la première chose que tu dois faire dans la pratique. Les prémices, ça veut dire que tu mets de côté et tu sais déjà que ça, là, tu ne touches pas. Ça, c'est dédié à Dieu. Et dès que tu as l'occasion de venir maintenant à l'église le dimanche, c'est là maintenant que tu apportes. Mais ça ne veut pas dire que le reste, tu ne fais pas le reste. Vraiment, il y a des chrétiens déséquilibrés. Hein? Ouh là là. Quatrième chose que Dieu va regarder par rapport à un chrétien à sa dîme, c'est où est-ce que tu l'apportes. La dîme ne s'apporte pas n'importe où. J'ai bientôt fini. Elle ne s'apporte pas n'importe où. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Quand on dit la nourriture, ce n'est pas les agapés. Hein? Non, ce n'est pas les agapés. Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La maison où tu dois apporter ta dîme, c'est où? C'est la maison où tu es nourri spirituellement. Quelqu'un me suit, non? C'est l'église, c'est ton église locale. Pour toi, si tu es d'ICC, c'est ICC Brazzaville. Même si tu as accepté le Seigneur dans une autre église, dans un autre pays, ce n'est pas là-bas que tu dois envoyer ta dîme. Ça, c'est le désordre. Si tu veux soutenir le ministère où tu as donné ta vie au Seigneur, si ce n'était pas ICC, un autre ministère, tu peux envoyer une offrande. Mais la dîme, c'est là où tu es nourri. Et si tu ne fais pas ça, tu n'actives pas le principe de la dîme. Quelqu'un me suit, non? C'est très sérieux. Et cinquième chose, c'est dans quel état d'esprit est-ce que tu apportes ta dîme? Parce que si tu apportes ta dîme, bon, vraiment... On a dit qu'il fallait donner la dîme. Bon, j'apporte, mais vraiment, Seigneur, là, tu as intérêt de me bénir. Hein? Mon ami, si c'est cette attitude-là, tu n'actives pas le principe. Ah non, non, non. Tu apportes ta dîme avec joie. Même si ça te coûte. Même si tu ne sais pas trop comment tu vas faire pour le mois. Vous savez, j'ai compris une chose, bien aimé. Il y a des équations et des calculs que je me refuse de faire, moi. Et toi, tu fais ces calculs-là. C'est pour ça que tu ne dors pas la nuit. Comment je vais faire ça? Comment je vais payer? Il tourne. Mon ami, le coin droit et le coin gauche du lit ne changeront rien. Même si tu mets ta tête là-bas ou là-bas, ça ne changera rien. Non. Moi, il y a certaines choses, je dors tranquille. Je dis, Seigneur, tu m'as demandé... Moi, je suis citoyen du royaume. Un citoyen, il contribue aux efforts du pays. Moi, je suis des cieux. Ce que j'ai, c'est pas de moi-même. C'est toi qui m'accordes la grâce de l'avoir. Ce que j'ai, je l'ai reçu de toi. C'est ta grâce. Donc, je trouve normal de donner, d'apporter ma contribution à l'œuvre merveilleuse que tu fais au milieu de nous. Maintenant, quand je fais ça et que je traverse une période un peu financière qui est un peu difficile, je ne vais pas me coucher avec des équations. Il y a des gens, ils se couchent, ils ont leur cahier là. Ceci là, telle facture, tel truc. Ah, comment tu peux te coucher avec ça? Non. Moi, je dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait une école d'ingénieur, c'est vrai, mais j'ai arrêté les calculs. Ce genre de calcul-là, ça, c'est pas mon problème. Moi, je dis, Seigneur, non, parce qu'il faut pas, parfois, il faut pas. Dieu est notre Dieu, mais c'est aussi notre Père. Il y a le langage devant Dieu, il y a le langage devant le Père. Le Père, c'est un Père qui t'aime. Moi je dis, Seigneur, non, en tout cas, là, moi, papa, là, c'est pas mon problème. Là, moi, j'ai fait, moi, tu as dit donner, là, moi, j'ai donné. Bon, maintenant, si eux, ils disent que je dois payer ça, moi, en tout cas, ça me moi, je veux pas me calculer, mais non. Là, en tout cas, tu dois te débrouiller. Quelqu'un me suit, non? Plusieurs fois même. Regardez, comprenons une chose. J'ai deux enfants aujourd'hui. Et depuis que j'ai des enfants, un garçon, une fille, en fait, ma relation avec le Seigneur a été, comment dire, en fait, j'ai compris beaucoup plus de choses. Parce que Dieu notre Père, n'est-ce pas? Ma relation entre mes enfants et moi, leur Père, me fait avancer dans ma relation avec Dieu le Père. Je vais m'arrêter, cette fois, je vais m'arrêter avec ça. Regardez. Les enfants, mon fils... Il y a une famille qui est invitée.
Elle vit avec des enfants du même âge. Mon fils a des jouets. On lui a acheté des jouets, des jeux, tout ça. Maintenant, il joue. Au moment maintenant de partir, quand la famille doit partir, maintenant l'enfant de la famille, l'enfant invité, il veut garder les jouets de mon fils. Bon, vous avez déjà vu ça, non? Hein? Il veut garder les jouets. Et lui dit, mais non, ça c'est mon jouet. Et là, non, c'est mon jouet, ça, moi. Ah. Regardez, moi je suis le père. Je dis à mon fils, fiston, laisse ça. Laisse le jouet. Laisse-le partir avec le jouet. Mais si je laisse partir avec le jouet, plus de jouet. Mais mon ami, moi je suis le papa. Si moi le papa, je dis laisse ça, tu penses que c'est pour te faire du mal? Quand je dis laisse ça, parce que je sais qu'après, je vais te racheter encore un autre. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Toi, tu te dis donne. C'est pour ton bien. Donne parce que tu me frustres. Moi, je veux te bénir, mais je ne peux pas te bénir parce que tu ne me donnes pas l'autorisation de te bénir. Comment tu me donnes l'autorisation de te bénir dans ta vie financière? Donne-moi ta dîme. Quand tu me donnes ta dîme, tu es en train de dire, Seigneur, ce qui est à moi est à toi. Et comme ce qui est à moi est à toi, maintenant, il est autorisé à menacer celui qui te vend. Ah, Seigneur. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. C'est vrai, il manque combien? Un point? Oh, bah. C'est compliqué, là. Moi, ma priorité, c'est vous. Hein. Ok, donc on termine alors. Amen, amen, amen. Ah, là, je suis dans la joie. Et là, je commence à être frustré. Je dis, ah Seigneur. Terminons alors. Amen. Huitième chose. Alléluia. Huitième chose. On a dit quatre choses à comprendre et quatre choses à faire. Les choses à faire, on a dit, c'est quoi? Rembourse tes dettes. Ensuite, épargne pour le futur. Ne mange pas tout. Ensuite, fais une alliance avec Dieu à travers ta dîme. Amen. Fais une alliance avec Dieu. Dieu est fidèle. Et quatrième action, huitième point, mon frère, ma soeur, sème. Sème pour débloquer tes provisions célestes. Sème. Là, je ne parle pas de la dîme, là, je parle de l'offrande. Il y a une différence entre dîme et offrande. Que quelqu'un dise amen à ça. La dîme et l'offrande, même si c'est la même chose, hein, c'est des finances, de l'argent, du matériel, enfin, même si c'est la même chose, en fait, spirituellement, c'est deux choses complètement différentes. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. C'est deux choses complètement différentes. La dîme, j'ai pas dit tout à l'heure, mais une des vertus de la dîme, quand tu donnes, si j'en ai parlé d'une certaine manière. La dîme, quand tu donnes ta dîme, en fait, tu es en train de dire à Dieu ce qui est à moi est à toi. Et donc Dieu maintenant est légalement autorisé à menacer celui qui dévore. Celui qui dévore, c'est le diable. Hein. Là, Jésus a dit que le voleur ne vient que pour dérober, et égorger et détruire. Hein? Et il y a plusieurs situations. Parfois, il faut t'asseoir et puis réfléchir un peu. Quand tu ne donnes pas ta dîme, là, en fait, tes finances sont en accès libre au diable. Mais quand tu donnes ta dîme, tu dis, Seigneur, ce qui est à moi est à toi. En fait, quand tu donnes ta dîme, tu dis beaucoup de choses. Tu es même en train de dire, quand tu donnes ta dîme, tu es en train de dire aussi, Seigneur, je ne mets rien au-dessus de toi. Et ce n'est pas l'argent que je veux mettre au-dessus de toi. Et je te le prouve en donnant ma dîme. Oui, non? Et donc là, Dieu maintenant est autorisé à menacer celui qui dévore. C'est-à-dire que quand tu as donné ta dîme, ce qui reste là, Dieu a sa main dessus. Pour que cela ne te soit pas dérobé, volé, par toutes sortes de circonstances que l'ennemi mettrait dans ta vie. Quelqu'un me suit, non? Ça va ou pas? En fait, il y a même plus de vertus que ça, mais je n'ai pas le temps de développer. On verra ça plus tard, si Dieu permet. Donc, l'autre chose, donc c'est l'offrande là. Sème pour débloquer, pour libérer tes provisions célestes. Ça, c'est l'offrande, ce n'est pas la dîme. La dîme, j'ai envie de dire que, franchement, un bon chrétien, il ne va pas se poser la question de savoir si ce mois-ci donne sa dîme ou pas. Que quelqu'un dise amen. Un bon chrétien, il ne se pose pas la question de savoir si ce mois-ci donne sa dîme et puis c'est tout. Oui, non? C'est automatique, on va dire. Hein?
Maintenant, l'offrande, c'est différent. L'offrande, en fait, la dîme, on a dit, la dîme, c'est 10%. Mais l'offrande, ce n'est pas un montant fixe. L'offrande, il n'y a pas de petite offrande, il n'y a pas de grande offrande. Tout dépend de ta condition. Quelqu'un me suit ou pas? Ouais, non. L'offrande, elle n'est pas, c'est pas borné, c'est pas 10, 15, 20. Non. L'offrande, le minimum de ce que tu peux donner, hein, ben, c'est ce que tu as. Oui ou non? Le peu que tu as, c'est ce que tu peux donner. Ce que tu as, le peu que tu as, c'est le minimum. Le maximum de ce que tu peux donner, c'est tout ce que tu possèdes. Oui ou non? C'est ça là, c'est ça le comment dire, le spectre de la dîme. Ça va, de l'offrande. Ça va, non? L'offrande, en fait, c'est un don. L'offrande, c'est un don. C'est un don volontaire. C'est un don volontaire. On ne t'oblige pas. En fait, la vérité, même pour la dîme, Dieu ne t'oblige pas. Ne t'oblige pas. Mais quand tu ne le fais pas, quand tu ne donnes pas, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire dans ta vie. C'est impossible. Même s'il t'aime, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire dans ta vie. Donc l'offrande est un don volontaire et l'offrande produit la multiplication. L'offrande produit la multiplication. Bon, je n'ai pas le temps de vous donner tous les versets, mais l'offrande produit la multiplication. C'est la dîme, pour schématiser, la dîme produit la protection. Quelqu'un me suit? Et l'offrande produit la multiplication. Maintenant, quand tu coupes les deux, c'est puissant. Parce que l'offrande produit la multiplication, et cette multiplication, avec ta dîme, elle est protégée. Un chrétien qui donne juste sa dîme, qui ne fait pas d'offrande, hein, quand je dis offrande là, je ne dis pas les offrandes classiques du dimanche, hein, je parle d'une offrande sacrificielle. Hein? C'est-à-dire que toi, tu ne fais jamais d'offrande sacrificielle, hein, d'un gros montant. Toi, c'est juste la dîme, mais tu ne fais pas d'offrande. En fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, Dieu est fidèle, Dieu va préserver ce que tu as. Mais ça va pas croître. Quelqu'un me suit, non? Il n'y aura pas de multiplication. C'est-à-dire que oui, le diable ne pourra pas avoir accès à tes finances, mais en tout cas, il n'y aura pas de multiplication. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre. Lui ne donne pas sa dîme, lui fait seulement des offrandes. Dîme, non. Enseigne, allez, enseigner. Tu fais seulement des offrandes. Mon ami, quand tu fais ça, Dieu est fidèle. Tu vas vivre la multiplication, mais sauf que cette multiplication-là, tu ne pourras pas la en jouir, la garder. C'est pour ça qu'il faut être équilibré. Tu donnes ta dîme et puis tu fais des offrandes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la multiplication. Cette multiplication-là est protégée. C'est puissant. C'est puissant. Alors, il faut comprendre une chose. L'offrande, toute offrande que tu amènes à Dieu n'est pas forcément agréable à Dieu. Et ça, c'est un point très spécial. Normalement, l'offrande produit la multiplication. Mais il y a des offrandes qui produisent rien du tout. Rien du tout. Parce qu'il y a des offrandes qui ne sont pas agréables. Abel, Caïn a fait une offrande, n'est-ce pas? Oui ou non? Abel aussi a fait une offrande, n'est-ce pas? L'offrande d'Abel, elle a été agréable. Oui ou non? L'offrande de Caïn, elle a été agréable. Pourtant, les deux ont fait une offrande. Il y a des offrandes qui ne sont pas agréables parce qu'il y a plusieurs choses qui font qu'une offrande n'est pas agréable devant Dieu. Une de ces choses, c'est donner par orgueil. Je ne vais pas lister toutes les... Mais juste ce point-là, donner par orgueil. Il y a des gens, on va dire, offrande spéciale. Offrande spéciale. Quelqu'un, il est là, il est assis, il n'a pas prévu de donner. Et puis, il voit l'autre qui se lève. Oh! Mais la sœur, là, elle veut montrer quoi? Qu'elle peut donner? Oh! Elle aussi, elle se lève! Ah, il faut que je me lève aussi, parce que sinon, on va dire que... Et tu te lèves avec l'esprit de Ananias et Saphira. C'est-à-dire que tu ne vas pas pour donner de tout ton cœur, mais tu vas par esprit d'orgueil pour montrer aux autres que là, que toi tu peux donner. Ça là, ce n'est pas agréable à Dieu. Il n'y aura aucune multiplication avec ça. Quelqu'un me suit, non? L'offrande que tu amènes à Dieu, tu sais, l'offrande te représente. Es-tu conscient de ça? L'offrande te représente. On n'a pas le temps d'aller quand Abel, quand Caïn a donné son offrande, et Abel a donné son offrande, la Bible dit ceci. La Bible ne dit pas que l'offrande de Caïn... Non, la Bible ne dit pas que l'offrande d'Abel a été agréable à Dieu et l'offrande de Caïn n'a pas été agréable à Dieu. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Abel
et son offrande ont été agréables à Dieu. Quelqu'un me suit, non? Et Caïn et son offrande n'ont pas été agréables à Dieu. Dieu n'a pas porté, pardon, Dieu n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande sur Caïn et son offrande. En fait, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que ton offrande te représente. Ton offrande, quand tu donnes une offrande, l'offrande te représente. Quand tu donnes une offrande, Dieu a un regard d'abord sur toi avant d'avoir un regard sur ton offrande. Il faut faire attention avec l'offrande. Hein. On ne vient pas donner une offrande comme ça, combien j'ai là. Non, ça se prépare. Hein. Dis-moi, amen. Je termine avec le point là. J'ai sauté d'autres points, mais ce point-là, dans cette huitième chose, ce point-là, il est important, je vais m'arrêter avec ça. C'est en fait, que faire si je veux donner, je veux faire une offrande sacrificielle, je veux donner un gros montant, mais je n'ai pas de quoi donner. C'est-à-dire que je veux donner, mais je n'ai pas de quoi. J'aimerais donner beaucoup, mais je n'ai pas beaucoup. Dis à ton voisin, Dieu a une solution pour toi. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10 à 12. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10 à 12. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Verset 12, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Que quelqu'un dise amen à ça. Amen. C'est un passage que plusieurs mieux de nous connaissons. Souvent, on emploie ce passage-là. Celui qui fournit de la semence au semeur. Celui qui fournit de la semence au semeur. Qui a déjà entendu ça? Eh non. Mais beaucoup n'ont pas compris. Celui qui fournit de la semence au semeur. Qui fournit de la semence au semeur? C'est qui? C'est Dieu, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus, c'est Dieu. Mais le problème, c'est que ce verset est clair. Dieu ne fournit pas de la semence à celui qui veut semer. Dieu ne fournit pas de la semence à celui qui veut semer. Ah. C'est là que beaucoup se trompent. Voyez, non? Tu veux semer une grosse somme. Mais tu n'as pas cette grosse somme. Tu n'as pas cette grosse somme. Donc tu dis, Seigneur, toi qui fournis la semence, hein, donne-moi de quoi pouvoir avoir cette grosse somme-là. Quelqu'un me suit, non? Donne-moi. Parce que moi, je veux semer. Mais Dieu n'a pas dit, la Bible ne dit pas que Dieu fournira la semence à celui qui veut semer. C'est pas ce qui est marqué. La Bible dit, celui qui fournit de la semence à qui? Pas celui qui veut semer. Dieu fournit de la semence à celui qui démontre qu'il est un semeur. Toi, tu veux semer. Quelqu'un me suit, non? Tu veux semer, mais tu n'as pas de quoi semer. Tu veux semer, mais tu n'as pas de quoi semer. Tu veux faire... Bon, je peux donner des chiffres, je donne un chiffre comme ça. Tu veux faire... Voilà. Tu veux faire une offrande. Tu veux faire une offrande. Comme ils ont fait à Pointe-Noire. Vous savez qu'à Pointe-Noire, Maximum Impact, ils ont financé tout eux-mêmes. Hein? C'est extraordinaire. Waouh. Tu veux faire une semence. Tu veux faire une semence, allez, de 1 million. Mais tu n'as pas 1 million. Et tu veux que Dieu te fournisse cette semence-là. Dieu peut le faire, mais Dieu ne donne pas la semence à celui qui veut semer. Dieu donne la semence à celui qui prouve qu'il est un semeur. Il donne de la semence à celui qui sème. Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais? Regarde. Et ça, c'est quelque chose, je ne vous parle pas honnêtement, hein, franchement, on est entre nous, je vous parle de cœur à cœur. Ce que je vous dis là, ce que je vous dis, ce n'est pas des fables et des généalogies. Ce que je vous dis, je le vis. Amen. Je ne vais pas vous dire quelque chose que je ne vis pas. Je le vis.
Récemment, on avait des besoins énormes pour financer notre déménagement à Bruxelles. Mais mon épouse et moi, on a fait une semence. En tout cas, on avait... C'est une semence. C'est énorme. En tout cas, pour toi, peut-être, je ne sais pas. Mais pour nous, c'était énorme. On voulait faire cette semence-là, mais sauf qu'on n'avait pas, suffisamment pour faire. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est basé sur ce verset-là. Celui qui donne de la semence au semeur. On avait un challenge. On s'est dit, nous, ma femme et moi, on se dit toujours, nous en tout cas, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes des citoyens du royaume. Et notre priorité va dans ce qui concerne le royaume. Il y a plusieurs choses qu'on voulait faire. Plusieurs projets qu'on avait, des projets où il fallait des finances, qu'on a mis de côté, on a mis en suspens parce que la priorité, c'était le royaume. Ah, mais je ne vous dis pas comment Dieu après, ah, c'est puissant. Hein? Quand tu t'occupes des affaires de Dieu, mon ami, quand Dieu s'occupe de tes affaires après, toi, c'est ouh là là. Vous voyez, non? Donc, normalement, quand tu reçois, je vais m'arrêter avec ça, mais suis-moi bien. Je sais que l'heure est avancée, mais reste quand même un peu concentré. Dis à ton voisin, sois concentré. Normalement, quand tu donnes ta dîme, qu'est-ce que tu fais? Tu reçois d'abord le revenu. Oui ou non? Tu reçois d'abord le revenu et ensuite, sur ce revenu-là, tu prends 10% et puis tu donnes ta dîme. Amen? Amen? Mais sauf que là, ce qu'on voulait donner, on ne l'avait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie sur la parole de Dieu là. Et puis, on dit, ok Seigneur, toi, tu donnes de la semence au semeur. Pas juste à celui qui veut semer. Celui qui veut semer doit montrer qu'il est un semeur. Quelqu'un me suit, voit la différence, non? Vous voyez, non? Tu ne dois pas simplement dire, j'attends que tu me donnes. Non. Tu dois montrer que tu es un semeur. Donc on a dit, Seigneur, voilà. Nous, c'est cette somme-là qu'on veut donner. Mais sauf qu'on n'a pas cette somme-là. Donc, on va se battre. Et mon épouse et moi, on s'est battus pour apporter la dîme de cette grosse somme-là. Même la dîme de cette grosse somme-là, on ne l'avait pas. C'était une grosse somme, hein, quand même. Même la dîme de cette grosse somme, on ne l'avait pas. Donc, on a, en quelques mois, on a constitué cette dîme-là qui représente 10% de cette grosse somme que l'on voulait semer, mais qu'on n'avait pas. Donc, on s'est battu pour mettre 10%. Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a apporté la dîme à l'avance. Normalement, tu reçois et tu donnes ta dîme. Mais là, on a porté la dîme à l'avance. On a porté la dîme. Et quand on a porté la dîme, on a dit au Seigneur, Seigneur, là, tu vois que nous sommes des semeurs. On n'est pas juste là pour dire on veut semer, on veut semer. Non. On a démontré à Dieu qu'on n'était pas juste des gens qui voulaient semer, mais qu'on était des semeurs. Parce que Dieu n'a pas dit qu'il allait donner la semence à celui qui veut semer. Non, il a dit celui qui fournit la semence au semeur. Et donc, on a donné ces 10% de cette grosse somme-là qu'on voulait donner. Mais, mon ami, Dieu est fidèle. Regardez la suite, Dieu est fidèle. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. J'ai bientôt fini, là je vous dis j'ai bientôt fini. Amen. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les frais de votre les fruits de votre justice. Mais regardez ce qui est lié ici. Regardez. Il dit celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Du pain pour sa nourriture. Dieu est en train de te donner. Il est déjà en train de te dire ce qui va se passer. Si tu avais toute la semence, tu l'aurais donnée. N'est-ce pas? Maintenant, si tu as besoin que lui te fournisse la semence. C'est-à-dire que tu n'as pas assez. Mais il dit, moi, je fournis de la semence à celui qui sème. Donc, montre-moi que tu sèmes. Et quand tu sèmes, tu me montres que tu es un semeur. Tu dis, Seigneur, moi, je te donne déjà la dîme. Je n'ai pas encore reçu, je te montre, moi, là, je donne la dîme. Là, je te prouve que je suis un semeur. Il te dit, non seulement je vais te donner la semence, mais je te donnerai aussi du pain pour ta nourriture. Bien-aimé, le pain, ce n'est pas le mets le plus succulent. Oui ou non? Le pain, c'est l'aliment. Dans la Bible, le pain, c'est l'aliment. Enfin, c'est l'aliment de base. En fait, Dieu est en train de te dire, si tu poses un acte pour me dire, moi, je veux semer, mais je n'ai pas assez, donc je veux te montrer que je suis un semeur en te donnant au moins les 10% de ce que je compte recevoir de ta part. Quand tu fais ça,
Dieu s'engage, il dit non seulement je vais te compléter là, hein, ce que tu as donné là, je vais te donner ça, parce que tu as donné ta dîme en avant, je vais te donner ça, mais en plus, je vais te donner de quoi te nourrir. Mais quand il dit de quoi te nourrir, ça va peut-être pas être les mets les plus succulents, parce que le pain, c'est la nourriture de base. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas peut-être passer par des moments difficiles. Parce que quand tu n'as pas de quoi, mais tu te sacrifies pour donner une semence qui te coûte à Dieu, Dieu s'engage, il dit, tu vois, ça va peut-être pas être simple. Mais dans tous les cas, tu ne seras pas à la rue et tu auras toujours de quoi manger parce que je te donnerai aussi de pain. Et après, tu verras. Je vais te donner la semence que tu as demandée et je vais multiplier le fruit de cette semence-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. En fait, mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire, ta situation financière, matérielle de demain ne dépend que de toi et de tes décisions aujourd'hui. Si tu, les provisions célestes sont là, elles sont disponibles pour toi. Quel que soit l'endroit où tu as commencé, quel que soit ton niveau de revenu aujourd'hui, quel que soit ton travail aujourd'hui, si tu appliques les principes, tu vas aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là. Si quelqu'un a reçu, alors acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Père. Là où tu es, s'il te plaît mon frère, ma soeur, là où tu es, incline la tête avec moi et avec tes propres mots, s'il te plaît, remercie le Seigneur. Si tu as reçu quelque chose, remercie le Seigneur avec tes propres mots. Seigneur, nous te disons merci encore pour ta parole. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour cette parole qui nous challenge, pour cette parole qui nous fait du bien. C'est vrai, le culte a été long, mais Seigneur, ta parole, nous l'avons reçue pleinement et nous voulons la mettre en pratique. Merci parce que tu nous aimes et parce que tu veux nous donner les clés pour que nous puissions vivre dans la dimension que tu nous appelles, dans laquelle tu nous appelles à vivre. Merci parce qu'il n'y a pas de fatalité. Lorsque nous pratiquons tes principes, Seigneur, produisent toujours le fruit qu'ils doivent produire. Merci, Père, pour ton amour et pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce peuple, pour cette assemblée ICC Brazzaville. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là et qui t'ont rendu un culte cet après-midi. Merci pour nos vies que tu challenges, nos vies que tu étires. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, et pour tout ce que tu as prévu de faire. Nous te bénissons et nous te disons merci, Père, au nom de Jésus. Amen.